Ceux qui sont tout au fond, vous êtes priés de revenir à l'avant. Faut juste laisser les quatre chaises qui sont ici libres. Mais venez à l'avant, sinon ça sert à rien, on va devoir hurler. On va commencer. Et merci, c'était Ilia, à qui on avait confié la difficile tâche de capter votre attention pour ouvrir la séance de ce premier place au débat. Donc maintenant, c'est place au débat. Et donc place au débat, c'est quoi? C'est une initiative... Est-ce que... Je m'entends? Ouais. C'est une initiative de Liège Solidarité Culture, qui est, un groupe qui est né en réponse à un appel qui a été formulé à la fin du premier confinement, c'était déjà il y a un an, et c'était un appel pour plus de considération pour le secteur associatif et culturel liégeois. Aujourd'hui, à cet appel a répondu à peu près 1200 individus, personnes, 300 associations. Je ne sais pas, je me tourne vers Pierre, c'est lui qui a le chiffre, c'est bien ça. Il y a 300 associations, 1200 individus et personnes.
Ces gens discutent, se rencontrent, échangent des informations, formulent des revendications qui sont propres au secteur, mais commencent aussi à s'inquiéter du manque de débat, du manque de discussion, de l'impossibilité de donner son avis dans les, concernant la période que nous vivons actuellement. Et il y avait la volonté dans le groupe de Liège Solidarité Culture de sortir de cette position dans laquelle on nous met depuis maintenant 13 mois, bientôt 14, où on est en fait spectateur et spectatrice de règles qui s'appliquent à notre propre vie. En préparant ce débat avec le groupe qui a travaillé à l'organisation, à la mise sur pied du dispositif, on se disait qu'il y avait des moments où on avait l'impression d'être carrément des poulets en batterie. Et ça génère dans la population pas mal de sentiments d'impuissance et d'irrespect. Et le but du dispositif qu'on propose pour la première fois aujourd'hui, c'est d'essayer de sortir de cette position. Alors, sortir de cette position, pourquoi ? D'abord parce qu'on ne devrait jamais traiter aucun être vivant comme un poulet en batterie, parce que c'est sans doute parce qu'on a fait des choses pareilles qu'on en est arrivé là où on en est arrivé avec le Covid, parce que ça crée ce genre de problème-là. Et puis parce que, aussi, rendre une capacité d'action et de pensée politique à l'ensemble de nous, des gens qui ne font pas partie des groupes d'experts, qui ne siègent pas au Codeco, ce n'est pas forcément opposé dans notre esprit, ça n'est pas opposé aux exigences de santé publique, aux exigences épidémiologiques, bien loin de là. Si on doit aller vers ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une politique de gestion des risques, une politique qui permette de répartir équitablement sur l'ensemble des secteurs de la société et à tous les niveaux une diminution des risques par rapport à la maladie, parce que nous sommes convaincus à Liège Solidarité Culture qu'il y a un problème de santé publique, que la Covid c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle, je me permets de faire une petite parenthèse ici, nous demandons à tout un chacun, à toutes les personnes qui sont dans le public et qui vont écouter les échanges maintenant, de respecter ce principe de réduction des risques, donc de respecter des gestes qui permettent de vous protéger en protégeant les autres. Voilà, pour nous c'est très très important. Et donc je continue dans cette parenthèse pour dire que les gens qui vont parler bougeront leur masque, mais ils sont toujours à distance prudente ou réglementaire. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà. Et alors, premier temps de ce place au débat, il y aura d'autres débats. Je ne sais pas la date du prochain débat, je ne sais pas vers qui je dois me tourner, personne ne me fait de signe pour me dire s'il connaît la date du prochain débat. Comment ? C'est magnifique, la date du prochain débat n'est pas définie, mais il arrive. Et en tout cas, donc celui-ci, on l'a organisé de manière suivante. Il y a trois thèmes. Donc c'est un débat, c'est quand même une avant-soirée assez ambitieuse et un programme assez chargé. On a défini trois thèmes et on a invité 12 personnes. Alors, 9 de ces personnes, on a composé un panel. Ce n'est pas un panel qui est représentatif de la société en général. C'est un panel qu'on a composé de proche en proche, avec nos sentiments, nos impressions, nos sensations. Et ensuite, ce panel, on a pris 9, il y a 9 personnes qui composent ce panel. Et on se propose de offrir une place pour venir discuter avec nous à quelqu'un qui se manifesterait à chaque fois qu'on va poser les questions en rapport avec les thématiques qu'on va dégager. Donc là, je vais expliquer. La première thématique, c'est au-delà des âges. Voilà. Et là, on va un peu interroger, pendant environ une demi-heure, on va interroger cette manière qu'on a eue d'opposer les jeunes aux vieux. Et on va essayer de comprendre comment on peut sortir de cette opposition qu'on a jugée particulièrement stérile. Donc, là maintenant, si quelqu'un veut participer activement à cette partie de débat, il lève la main et on lui offre un siège. Il n'y a personne. Ben donc le siège va rester vide, mais peut-être plus tard, si quelqu'un veut venir, qu'il vienne, il y a donc un siège vide. Je précise aussi que donc il y a 3 personnes qu'on a mis là-bas, et pour bien préciser les règles du jeu à tout un chacun, les 9 autres peuvent venir à tout moment intervenir, il suffit qu'ils lèvent la main. Donc on va faire une demi-heure de discussion, on va avancer sur cette thématique,
Et puis, on proposera au public de poser une question, deux questions peut-être. On aura 10 minutes d'échange public avec les intervenants et les intervenantes. Voilà. Alors, les trois intervenants et intervenantes qui composent cette partie du panel, il y a tout d'abord Jacques. Alors, dans le panel, on avait dit que c'était une personne d'un certain âge. Voilà. Après, on cherchait, pour faire contrepoids à cette position, un ou une jeune. Merci Alice de, je ne sais pas, pas parler au nom de la jeunesse, mais d'être une jeune. Voilà. Et puis, on cherchait un ou une professeur. Et alors, j'ai oublié le prénom. Et Béatrice, voilà. Et professeur dans une école secondaire liégeoise. Voilà. Alors, la première question qu'on propose, avec laquelle on propose de démarrer ce débat, c'est quelque chose qui nous est venu. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est une question qui nous est venue, qui est, bon, vous allez le comprendre tout de suite, un petit peu au-delà de laquelle il va falloir passer, je pense, voilà. C'est de savoir si il faut sacrifier les jeunes, les vieux ou les deux. Voilà, alors quand on a préparé un peu le débat, Jacques m'a dit « moi j'ai quelque chose à dire sur ça ». Donc voilà, je lui cède directement la parole. Donc faut-il sacrifier les jeunes, les vieux ou les deux? Voilà Jacques. Merci. Bon, moi je crois d'emblée vous dire que, en tout cas, j'ai envie de vous dire tout de suite qu'il n'y a pas à sacrifier ni les jeunes ni les vieux. Je pense que les jeunes ont assez subi pour le moment physiquement et psychologiquement les choses au quotidien, puisqu'on les balance d'école ou pas d'école, de vidéo en vidéo, on les balance parfois dans des bus hyper bourrés, pardon, et donc là aussi on leur dit qu'il faut respecter les règles, les distances, etc., mais on n'arrête pas de les blackbouler, les envoyer à gauche, à droite. Et ça, je trouve que c'est vraiment insupportable. Alors moi, je pense qu'il faut, au contraire de ce que a fait notre gouvernement, c'est de d'abord vacciner les gens qui sont actifs. Je pense que c'est eux qui peuvent protéger les vieux, en les soignant, etc., et de ne pas être, eux, après, malades et ne plus pouvoir soigner les vieux. Je pense que c'est aux gens qui sont dans l'activité avec les jeunes, dans les maisons de jeunes, les centres culturels, les théâtres, les groupes de ballet. Écoutez, quand j'ai entendu hier qu'on fermait les ballets de Wolf, parce qu'ils n'ont plus assez d'argent, et qu'il y avait déjà deux repreneurs qui étaient prêts à reprendre cette école de danse, j'ai trouvé ça vraiment insupportable. Et je n'ai entendu nulle part aucun responsable politique de dire « Tiens, il faut absolument qu'on les aide à continuer. » Tous ces gens qui travaillent avec des ateliers, avec les groupes de jeunes, on leur a fermé toutes les portes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes sont là, maintenant, en train de végéter à gauche, à droite, comme ils peuvent, à ne pas avoir leur structure, on les écarte de tout, et donc ils glandent, ils jouent aux vidéos, ils jouent à des choses qui ne sont pas vraiment très indispensables. Et je trouve qu'on est en train de massacrer vraiment toute une série de jeunes. Par contre, les gens qui s'occupent des jeunes, notamment les clubs sportifs, les ateliers créatifs, tout ce qui est compagnie de jeunes publics, et tout ça, tous les gens de la culture et du sport sont des gens qui travaillent et qui aident à ces jeunes à se structurer et à avoir une colonne vertébrale, si je peux dire, et à de pouvoir arriver à regarder les gens en face et à être vivant. Et je pense que c'est à ça que doivent servir, je pense,
les aides du ministère et pas en train de d'abord donner les vaccins à ceux qui sont peut-être même grabataires, alors que l'infirmière a été en second rang et même en troisième pour être vaccinée. Je trouve ça tout à fait anormal et c'est un truc sur lequel je ne reviendrai pas. Voilà. Voilà pour commencer, chef. Oui, enfin, chef, c'est un bien grand mot. Voilà, je sais pas, j'ai pas bien compris, mais tu préférais quand même ne pas sacrifier trop les jeunes. Mais il n'y a pas à les sacrifier. C'est eux qui sont notre avenir. C'est eux qui vont payer nos pensions. C'est. Quoi ? Donc c'est assez intéressé. Non, je rigole. C'est pas intéressé, c'est la logique. Mais... Alors que, bon, d'autre part, on a les grands magasins qui font du fric à amplifier. On a des gens qui travaillent dans les grands magasins. On leur refuse des augmentations. Par contre, j'aime autant vous dire que les gens qui ne travaillent pas, mais qui comptent les sous, eux, on leur donne des dividendes. Et ça va très très bien de ce côté-là, et pour les banques, et pour les grands magasins, etc. On voit bien, ils n'arrêtent pas de faire des réductions, parce que ça marche trop bien. Donc là, on va pour aller sacrifier, enfin, selon toi, Jacques, en tout cas. Et Béatrice, toi qui travailles donc au contact des plus jeunes, qu'est-ce que tu penses de cette opposition jeune-vieux? Et comment est-ce qu'on pourrait en sortir et qu'est-ce que ça t'inspire? J'ai tout d'abord un message à vous donner de la part d'une quinzaine de jeunes âgés de 15 à 18 ans qui sont élèves dans une école technique et professionnelle. On nous entend très peu et pourtant nous souffrons par rapport au manque de compagnie, de contact, d'activité physique. Nous avons moins d'énergie, nous manquons d'endurance. Notre motivation par rapport à l'école est en baisse. Certains de nos espoirs sont déçus. La contrainte du masque est lourde. Toute la journée, même en récréation, dans les bus. Nous pensons nous y habituer, mais nous sentons notre cerveau se ramollir. Nous souffrons d'insomnie. Nous perdons la notion du temps. Nous nous sentons immobilisés. Nous nous demandons ce que l'État fait pour améliorer cette situation. Pourquoi, à l'école, les mesures sont encore plus strictes qu'à l'extérieur? Pourquoi il y a un tel drame autour de ce virus-ci, alors que nous savons qu'il y a plein de virus? Nous relevons beaucoup d'incohérences. Nous avons besoin de vérité, car sur Internet, nous écoutons des personnes intéressantes qui tiennent un autre discours. Nous demandons de la clarté. Nous voyons à la télévision que les ministres hésitent, ne sont pas toujours à l'aise. Nous remarquons par notre expérience personnelle que tout ce qu'on nous dit n'est pas nécessairement vrai. Nous voulons démêler le vrai du faux. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Nous voulons, par exemple, plus de chiffres précis sur la mortalité. En tant qu'enseignante, j'observe bien sûr tout ce que vous venez d'entendre. Depuis le début d'année scolaire, j'observe effectivement un accroissement du décrochage scolaire, des comportements dépressifs, une accentuation chez mes élèves des troubles du sommeil, abus d'écran, abus d'Internet, une acceptation morne de la situation, une peur des sanctions liées au respect des règles, une peur d'être jugé s'ils ne sont pas d'accord, de paraître irresponsable, surtout vis-à-vis des personnes plus âgées,
lorsqu'ils ont envie de rire, de voir leurs amis, de s'amuser un peu. J'observe des troubles physiques liés au port du masque. Ils ont mal à la tête. Ils ont des difficultés de concentration. Ils sont fatigués quand ils doivent s'exprimer, poser une question. Des troubles physiques et psychologiques également liés au manque d'activité sportive. Ils sont privés de cours d'éducation physique et à l'extérieur, ils ne peuvent plus pratiquer leur sport. Dans cette situation, personnellement, en tant que professeur, j'ai aussi besoin d'un discours cohérent et sourcé afin que, de garder la confiance de mes élèves et de remplir ma mission qui est de les former à devenir des citoyens critiques et responsables. Donc je suis très contente aujourd'hui de participer à cette rencontre pour que nous soyons unis et dans les différents secteurs, que nous communiquions, que nous nous donnions des informations. Et je souhaite un débat contradictoire à notre niveau, puisque à un niveau plus élevé, il semblerait qu'il n'y en ait pas. Merci Béatrice. Alors, je vais me tourner vers Alice qui a le difficile rôle de parler en tant que jeune. Et donc évidemment, bah, la question, je ne sais pas ce que tu vas répondre, mais faut-il, à ton avis, sacrifier les jeunes, les vieux ou les deux ? Mais moi, je dois bien avouer que je suis plus nuancée que Jacques. Je considère que les jeunes et les vieux en ont bavé sur plein de sujets. Alors, moi je suis jeune, je sais ce que je subis au niveau des cours, des écrans. Je suis animatrice scout aussi, du coup je vois les règles qu'on impose aux enfants, qui sont difficiles à expliquer pour eux parce qu'elles sont incohérentes les unes entre les autres et du coup ils sont complètement perdus. Mais à la fois, je vois aussi la souffrance des vieux et je vois les sacrifices que certains vieux peuvent faire. Donc je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y a uniquement les jeunes et la société active qui en a bavé. Je pense que c'est des compromis qui ne sont pas forcément bons, qui ne sont pas forcément bien faits, bien équilibrés. Mais quand je pense aux personnes qui sont en maison de retraite, qui n'ont plus de contact, les personnes âgées, les grands-parents qui ne peuvent plus voir leurs petits-enfants, je pense qu'il faut être nuancé et prendre en compte la vie de tout le monde. Et dans tous les cas, le terme sacrifice, pour moi, il n'est pas adapté. C'est plus essayer de trouver un équilibre qui n'est pas trouvé pour l'instant, à mon humble avis, tout simplement parce que les choix qui ont été faits pour l'instant c'est des mesures disproportionnées, selon moi. Le sacrifice scolaire, le fait que les enfants aient un jour sur deux à l'école, le fait que nous, en tant qu'étudiants, moi je suis étudiante, je passe ma journée devant un écran, le fait que les personnes âgées sont enfermées dans les maisons de retraite, le couvre-feu, enfin, tout ça, c'est des choses hyper oppressantes pour tout le monde. Et est-ce qu'il faut vacciner les vieux en premier ou les jeunes en premier? Je suis plus nuancée là-dedans parce que je ne sais pas si j'aurais préféré que ma mère ou mon père, qui sont dans la population active, soient vaccinés avant mes grands-parents, par exemple. Voilà. Tu veux peut-être répondre, Jacques? Je vois que tu saisis le micro. Moi, je ne me sens pas du tout attaqué par ce que tu dis. Je n'ai pas dit qu'il fallait laisser les vieux dans un miroir et ne pas s'en occuper. Mais je voulais que les gens qui s'en occupent, eux, soient protégés pour essayer de les aider beaucoup plus et ne pas les garder enfermés. Parce que s'ils avaient été protégés, on aurait pu ouvrir bien plus les portes de ces mouroirs et ces maisons de repos où parfois les gens ne rencontrent quelqu'un, ceux qui sont dans ces maisons, ne rencontrent quelqu'un que pour manger. Et encore, on les ramène dans la chambre, ils ne voient personne.
Et ils sont juste bons à manger, à se taire, quoi. Et ça, je trouve ça insupportable. Mais si tout le monde était, qui s'occupe des plus âgés, était protégé, et ils n'auraient pas peur d'y aller. Et ils n'auraient pas peur de s'occuper d'eux d'une manière... Il y a des maisons de repos qui travaillent très très bien, hein, et qui mettent les gens qui sont en retraite au travail avec les autres. Et je trouve que c'est autre chose que de coincer les gens dans leur chambre et de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir voir la famille, de ne pas pouvoir aller voir les petits-enfants, de ne pas pouvoir... Ah, que d'interdits on leur donne. Et c'est ça qui me révolte. Tu comprends? Et moi, je veux qu'on donne les moyens pour les autres de pouvoir aller les voir, puisqu'ils seront protégés et on ne pourra plus dire « Non, non, c'est trop dangereux pour vous. » Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup énervé. Voilà. Loin de moi l'idée de vouloir défendre à tout prix le gouvernement, mais est-ce que le personnel de soins n'a pas été placé dans les personnes prioritaires pour la vaccination? Si. Si. Donc en théorie, ils auraient dû être vaccinés, enfin, ils pouvaient être vaccinés. Je sais pas, tu veux... Si, mais il y a certains personnels médicaux qui ne sont pas reconnus, par exemple, et qui n'ont pas eu les vaccins, par exemple, déjà. Oui, le kiné, tout ça, ils ne pouvaient pas. Ça allait bien. Pardon. Je crois que, bon, tout le personnel, en dehors de la personne qui s'occupe et qui dirige la maison, les kinés n'étaient pas vaccinés. Tous ceux qui viennent pour donner des soins, etc., n'étaient pas vaccinés. Les étudiants n'étaient pas vaccinés au départ. Il a fallu se battre pour qu'ils le soient aussi. Donc voilà, on met les gens dans des situations dangereuses et qui freinent l'aide aux personnes les plus âgées. Et ça, c'est inadmissible. Oui, moi, je voudrais ajouter que effectivement, il faut prendre soin des personnes plus âgées, des personnes fragiles. Mais je répète, j'attire l'attention sur le fait que les jeunes ont vraiment besoin des adultes. Ils n'ont pas à porter ce lourd fardeau tout seuls. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de nous. Alors, parce que je vois qu'il y a plein de mouvements derrière moi. Donc, en fait, pour finir, il y a plein de gens du public qui veulent prendre la parole. Voilà. Vous voulez prendre la parole? Tu veux prendre la parole? Voilà. Oui, bonjour. En fait, j'ai réagi à ce que j'ai entendu et je ne comprends pas quelle est la manière de protéger. Parce qu'en fait, il y a des traitements qui ont été abolis. Et alors, on parle de quoi quand on parle de protection? On parle d'un vaccin qui va nous inoculer d'autres formes de virus qui seront encore plus virulents. Alors moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si c'est protégé en guérissant, oui. Mais si c'est protégé en disant qu'on va vous vacciner avec quelque chose dont on n'est pas sûr, en nous foutant de la merde dans notre corps, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une protection, c'est une mise en danger supérieure à celle que l'on a maintenant. Alors je ne comprends pas ce discours de protection. Je comprends très bien madame que je connais de vue qui disait que ses élèves sont face à des incohérences et qui vont chercher les informations ailleurs parce qu'ils n'en peuvent plus, comme tout le monde. On n'en peut plus. On a des informations cohérentes sur des traitements qui ont donné des soins efficaces et on les a retirés. Et on nous vend un vaccin qui va enrichir des gens et qui est soi-disant pour notre protection alors qu'il nous inocule quelque chose qui est bien plus grave. Alors, effectivement, on était resté sur l'idée de à qui donner la protection et on n'avait pas fouillé sur la question de la protection parce qu'on n'avait pas mis à l'ordre du jour de ce premier débat cette question épineuse parce qu'on n'a pas invité dans le panel de personnes qui peut discuter et nous aiguiller sur cette question-là précisément. Mais on retient cette question, je sais qu'il y a des gens qui prennent des notes et on travaillera cette question plus en avant. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu précisément de discuter, de savoir
comment on pouvait critiquer et évaluer les politiques vaccinales et les politiques pharmaceutiques. Mais on retire la question. Ça fait peur, parce que, quand on parle de protection, moi je parle de mise en danger. Oui, mais... C'est autre chose, absolument, c'est bien pire. Absolument, je comprends bien, je pense que tout le monde a bien compris le propos, et je pense que c'est une question qui est extrêmement importante, mais c'est vrai qu'on n'avait pas prévu d'orienter le débat vers cette question qui est quand même compliquée. Voilà. Elle est peut-être compliquée, mais elle est d'actualité. Absolument. Voilà. Mais il y en a plein d'autres d'actualité. Voilà. Mais celle-là, elle est quand même fameusement encore. Oui, mais on ne va pas faire de hiérarchie dans les questions. Voilà. D'accord. Mais c'est une question importante, et je pense que les gens qui sont en train de travailler sur les résumés et les synthèses de ce débat-ci la mettront à l'ordre du jour d'un prochain débat. J'espère bien. Je me tourne vers les gens qui prennent les notes. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, donc on n'avait pas tout préparé. Hein. Voilà. Alors, maintenant, on avait un deuxième temps sur cette thématique. C'est qu'effectivement, comme on a pu le voir, on a opposé des catégories sociales aux autres. On a opposé des secteurs à d'autres secteurs, on en a fermé certains, on en a jugé certains essentiels, d'autres non essentiels. On nous a confinés longuement. Tout ça a produit une situation dans laquelle nous sommes isolés et il y a une certaine tension dans la société. Donc on voulait dans un second temps s'interroger pour savoir comment on allait pouvoir réparer le lien social, comment on allait pouvoir reconstruire du lien à partir de la situation que nous vivons là, maintenant. Est-ce que vous avez une hypothèse de travail ? Alice. Mais pour moi, les deux thématiques donc, qui n'ont pas été citées, mais l'infantilisation des vieux et la culpabilisation des jeunes, c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler pour que le lien social soit rétabli. Et pour parler spécifiquement de la culpabilisation des jeunes, parce que moi c'est quelque chose que j'ai vécu des deux points de vue, c'est-à-dire il y a tout un moment donné où je respectais énormément les mesures et j'étais culpabilisée par des plus jeunes et des plus vieux parce que je respectais les règles et que du coup je maintenais pas de lien social avec mes proches. Et puis dans l'autre sens, après, quand on remet les règles en question, on est culpabilisé aussi parce qu'on a remis les règles en question, et donc on est un danger pour la société, et qu'on ne fait pas attention au collectif. Et donc je pense qu'il faut être plus dans la nuance et dans... on a besoin de nuances et d'informations claires, parce que la culpabilisation des jeunes, c'est pas la solution pour que les jeunes qu'on rétablisse un lien social correct. Par exemple, les médias, les réseaux sociaux, etc., etc., ça n'a pas du tout aidé, enfin, c'est mon point de vue, ça n'a pas aidé au lien social parce qu'il y avait de la désinformation, parce qu'il y avait des réactions très violentes. Moi, j'ai vu des réactions très violentes sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand les jeunes allaient à la Beauvrie, il y avait des messages genre « Vous allez tuer vos grands-parents, ça n'aide pas au lien social avec les vieux. » Et faire culpabiliser les jeunes, c'est un phénomène qui est assez universel. J'ai l'impression que même avant le Covid, on nous faisait souvent culpabiliser pour plein de choses, mais avec le Covid, les gens ont peur et du coup deviennent agressifs. Et c'est pas la solution pour ouvrir le débat. La solution, c'est de parler avec les gens et voilà. Mais si on sort du discours de culpabilisation, on pourrait parler, mais alors introduire quel autre type de discours ? Bah, déjà ce qu'on fait là maintenant, parler... Essayer de visualiser, comment dire, essayer d'être dans la compréhension, essayer de remettre en cause les règles et comment on vit ensemble, se poser des questions sur les normes qu'on nous a imposées, qu'est-ce qui est bien pour le vivre ensemble, simplement. Je pense que toutes les règles, enfin c'est que mon opinion, mais je pense que toutes les règles ne sont pas forcément bonnes ou proportionnées ou assez nuancées et que du coup ça crée une opposition très forte. Voilà. Il y a des règles que tu aurais aimé pouvoir interroger ou remettre en cause parce que pratiquement elles ne te semblaient
pas forcément ni pertinente ni possible à vivre, tout simplement. Bah oui, par exemple, la bulle. Moi, j'ai très difficile avec ça. Je comprends pas. Enfin, comment dire. C'est pas une norme qu'on peut contrôler. C'est une norme qui est très peu respectée. Ou le couvre-feu, c'est des normes qui sont hyper contraignantes psychologiquement. Mais après, est-ce que c'est des mesures qui sont vraiment utiles? Mais ça, ça il faut voir quoi. Il faut en parler simplement. Je sais pas si c'est proportionné, si c'est vraiment utile. Est-ce que ça va vraiment aider les vieux, les jeunes, voilà. Béatrice, je voulais juste me tourner vers toi un instant pour essayer de voir, parce que le témoignage que tu nous as livré, moi ça m'a interrogé. Je me demandais, mais tiens, quand tu reçois des témoignages pareils, comment est-ce que toi tu travailles à partir de ta classe pour ne pas rester dans ce qui semble être une situation d'impuissance en définitive. Comment est-ce que tu fais pour réparer les élèves de ta classe quand ils parlent comme ils ont parlé dans le témoignage que tu as livré? Alors pour le moment, je les écoute et je leur dis que j'y réfléchis. Je suis soumise en tant qu'enseignante à des règles dans l'école que je dois respecter, que je dois faire respecter, et en même temps je dois prendre soin effectivement de mes élèves, et comme je le disais tout à l'heure, garder leur confiance. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour le moment. Et pour en revenir au lien social dont vous parliez tout à l'heure, je pense que dans toute chose, il faut des bases. Et ici, il me semble que les bases peuvent être en fait un narratif qui serait évident, qui serait sourcé. En ce qui concerne les élèves que je rencontre, ils sont très très sensibles et préoccupés pour l'état de santé et pour le fait de faire attention aux personnes plus âgées, à leurs grands-parents, parfois à leurs parents. Mais je pense qu'on peut vraiment faire les deux. On peut tout à fait s'occuper et prendre soin des personnes fragiles tout en laissant les jeunes vivre tout simplement, vivre leur jeunesse, leur adolescence, et aussi leur donner de cette façon-là l'idée d'un futur désirable. Tu as une idée de quelque chose qu'on aurait pu mettre en pratique pour pouvoir justement laisser vivre les jeunes tout en protégeant les vieux? Il y a quelque chose qui t'est déjà venu à l'esprit? Une chose qu'on aurait pu mettre en œuvre auquel on n'a pas du tout pensé? Je pense personnellement que pour prendre soin des personnes plus âgées et des personnes fragiles, je pense que on n'a pas fait le tour de toutes les possibilités de soins qu'on peut donner à ces personnes-là. Je pense qu'il est urgent maintenant d'étendre le champ d'action, le champ des possibles, et de vérifier par nous-mêmes finalement quelles sont les différentes possibilités pour que les deux soient conciliables, la vie des jeunes et le soin des personnes plus fragiles. Merci. Ici à côté de moi, il y a Cyrine, voilà, qui veut nous communiquer l'action qu'elle mène avec des camarades à elle. Voilà, je te propose de prendre le micro. Ah, attention, ça va? Voilà. Je t'en prie. Voilà. Oui, voilà. Est-ce qu'on m'entend bien comme ça? Ouais. Ouais, j'arrive un peu au milieu du débat parce que j'ai été trop longue à répondre à l'appel du début, mais du coup c'est pas super cohérent avec ce qui se dit, mais je tenais juste à parler d'un mouvement qui s'est lancé fin février à Bruxelles, qui s'appelle Jeunesse en lutte. Je sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, c'est un mouvement qui a démarré suite à un rassemblement organisé par l'Union syndicale étudiante à Bruxelles. Parce que la situation des étudiants est tout bonnement intolérable, et il y a plein de jeunes qui se retrouvent
vraiment dépassée par ce qui se passe actuellement. Le décrochage scolaire monte en flèche. L'état psychologique des jeunes aussi est vraiment pas bien. Et pareil pour la précarité étudiante qui existait déjà avant cette crise mais qui a été accentuée. Il n'y a qu'à voir les files de personnes qui vont chercher des colis alimentaires à l'UNIF ou ailleurs. Et donc c'est un mouvement qui s'est créé suite à ce rassemblement. On a toute une liste de revendications que j'ai. Je vais peut-être en citer quelques-unes. Excusez-moi deux petites secondes. Est-ce que peut-être je peux te poser une petite question? Oui. Alors, vous faites quoi? Vous réunissez? Vous faites des actions? Vous récoltez? Et donc pour le moment, on a juste fait des rassemblements suite auxquels on fait des AG, donc des assemblées générales qui sont ouvertes à tout le monde. Et alors suite au premier rassemblement, on s'est mis d'accord tous ensemble sur une liste de revendications. Parce qu'on pense que la gestion de la crise est extrêmement critiquable et que des priorités ont été mises là où elles ne devraient pas l'être, notamment par rapport au secteur public qui a totalement été délaissé, c'est-à-dire l'enseignement, la santé, la culture. Et on pense que tout ce qui a fait tourner l'économie à court terme a été favorisé au détriment de la santé mentale et en fait la santé tout court de la population, mais notamment des étudiants chez qui la précarité est extrêmement forte. Et alors, je vais peut-être vous citer quelques revendications, une réouverture avec des mesures hybrides des universités et des hautes écoles, des bourses spéciales Covid, l'extension du chômage temporaire aux étudiants jobistes qui, rappelons-le, ne sont pas payés, le salaire étudiant, pourquoi pas, à long terme. On aimerait bien, par rapport au dialogue avec les autorités, une concertation des étudiants quant aux décisions gouvernementales dans le cadre de la gestion de la crise et surtout, en fait, une hausse des moyens financiers et humain pour l'enseignement, parce que c'est bien joli de se demander qui est-ce qu'on va sacrifier quand à côté en fait l'argent est destiné au privé et à des choses totalement pas dispensables. Et le gouvernement d'il y a quelques années a supprimé des lits d'hôpitaux, a fait des coupes énormes sur le budget de l'hôpital. Ça fait des années que les soignants demandent des moyens et il n'y a que maintenant qu'on essaye un peu de tendre l'oreille. Mais en fait, c'est surtout pour ça qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations difficiles parce que l'argent ne va pas au bon endroit. Et donc la jeunesse qui est critiquée parce qu'elle se rassemble, etc., parce qu'on devrait la sacrifier, voilà. Je vois que Jacques opine du bonnet. Voilà, mais est-ce que je peux... Juste un mot pour cette thématique, merci Cyrine. Un mot pour cette thématique, je vais proposer à Jacques de conclure sur cette thématique. Juste un mot de conclusion. Voilà. Je voyais que tu étais séduit par le discours de Jeunesse en lutte. Oui, moi je trouve que ça va... Enfin, en tout cas, moi je trouve qu'il faut ouvrir les portes. Il faut ouvrir les portes de tous les lieux qui sont financés et que nous avons financés nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons créé les centres culturels, les maisons de jeunes et tous ces lieux de sport, de hall omnisport, etc., qu'on utilise maintenant pour piquer les gens. Mais je trouve que ce serait mieux que ça serve à travailler à l'émancipation des gens au niveau physique et tout ça. Et ça ira mieux psychologiquement aussi à ce moment-là. Et alors, d'autre part, je pense qu'il est, temps aussi de reprendre des choses qui travaillent en plus petit. En plus petit, et pas à faire des grandes réunions pour dire tout le pays va faire ça, etc. Je pense qu'on peut travailler localement avec les maisons médicales, avec les pharmacies de quartier, etc. Et ils ont montré dans les
moments difficiles dans le temps, qu'ils étaient tout à fait capables d'aider la population de manière beaucoup plus directe. Et je pense que avoir des grands mouvements nationaux, moi je n'y crois pas, je pense que c'est le travail local avec les gens du terrain qui font travailler. Et ben voilà. Alors on va terminer pour ce débat-ci sur ces paroles fort sages de Jacques. Et on va faire une petite pause. On fait cette petite pause, oui. Une petite pause artistique. Normalement, c'est l'ami Terrien qui doit nous rejoindre. Mais où est-il? Il arrive? Il est là. Voilà, François. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vous demande pas si vous allez bien. Je vais vous lire l'appel. Appel aux gens des chaînes, aux ombres des bureaux, aux habitants des champs, citoyens souterrains, pèlerins dans les camps, prisonniers dans les villes, fêlés dans les asiles, caissières et galériens. Soignantes et fonctionnaires, dealers de paradis, routiers et programmeuses, chercheuses en incendie, chômeurs, malades, maçons, facteurs du profit, le pays du labeur est notre vraie nation. Ceci est un appel au soir de la planète. La mort est à la porte et réclame son gain. Mais nous ne jouions pas, nous ramassions les miettes. Et ils voudraient qu'on paye leurs dettes en disant rien. Nous, nous buvions la tasse dans des marées de lits, tandis que dans leur lit, ils sirotaient du vin, pariant l'avenir sans même se demander son prix et tiré de nos puits à qui il appartient. Eh bien oui, nous voici, il s'agit de notre bien. On vous laisse entre amis, nous ne vous devons rien. Vous, les hommes d'affaires, saurez vous en sortir. Oh, combien vous vantiez vos esprits de génie et vos capacités inouïes à tirer des richesses infinies depuis notre pétrin. L'avenir orphelin a retrouvé les siens. Nous avions oublié que nous étions famille. La tête dans le guidon du train-train quotidien a livré nos colis de triste épiphanie. Partout où le travail n'est que peine à survivre, nous couperons les vivres aux gourmands, aux abois, qu'ils se dévorent les bras, car nous, nous voulons vivre autrement que des chiens qui obéissent aux doigts. Nous reprendrons des mains de leur ville folie, le bazar en arène du tous contre chacun, pour en faire un jardin, agora fraternel, à la hauteur des rêves de l'idéal humain. Nous lui avons rendu ses habits de tribun, en brûlant ses indignes oripeaux en guenilles, vois-tu, le vent se lève et emporte avec lui les chaînes à nos pieds et les fers à nos mains. Nous sortons des torpeurs apeurées de lumière, le rire et le salut dans l'hiver qui s'annonce, et ils voudraient qu'on mange les anges des clairières, qu'on se nourrisse de ronces et du pain de la peur. Moi, je veux un festin. Te joindras-tu à moi? J'ai soupé des mensonges du cuisinier des maîtres, enfant roi incapable de cuisiner des pâtes, et il voudrait pourtant diriger un État. Nous les jetterons dehors. Assemblée populaire, constitution nouvelle, nous ferons de plein droit, sécurité sociale bien plus qu'alimentaire, car notre liberté vaut bien celle des rois. Ils ont voulu la guerre, ils ont voulu la haine, le sang et la douleur. Nous ne leur donnerons pas, non. Ils auront des chaînes en monnaie de leur règne et au repas des peuples, ils serviront les plats. Car voici l'heure où nous prenons les rênes et relevons la tête des couronnes plein les bras, vois-tu, le jour se lève et dans nos lits défaits, pour peu que tu la prennes, la victoire est à toi. Toi, l'enfant des voitures, prends tes embouteillages et rejoins la cohorte en fanfare de klaxons, déboule dans leurs avenues de funestes héritages aux entrepôts des plaintes et pleines de corruption. Roule ta bossami et tes sapins sauvages dans les jungles ennemies qu'ils firent de nos maisons, ces vénéneux abris vernis de leur chimie, attendant ton retour au soir de la moisson. Ceci est un appel en écho des noyades, en écho des sanglots étouffés dans leurs bras, en écho des appels de détresse en tempête, dans la pluie de leur guerre entends-tu le combat de l'enfant pour sa mère, sous le tapis de bombes, la paix dans les tranchées, le nouveau-né à froid, et malgré nos suppliques, il détourne la tête pour des pièces de monnaie ou des pourcents de voix. Dans les pas du courroux, nous posons les jalons des jours où nous serons libérés de leurs joues. Nos morts à même la peau s'époumonnent quand s'épousent dans nos micros les mots et les causes en couronne. Sur leur tombeau d'amour, on rit au rire dans les cimetières. La mémoire de nos frères et sœurs coule dans nos bières. Et quand nous sommes sous d'espoir et de misère et que nous titubons sur le chemin des fous, leurs noms résonnent dans l'air et font trembler la terre. Et ce n'est pas de peur mais d'un patient remous.
Il est des époques où la justice est sévère, car la nature finit par triompher de tout. Nous n'avons rien à perdre si ce n'est la dernière étincelle de lumière au courant des égouts. Le cri dans nos viscères s'étrangle dans nos cous. La ceinture est serrée au-delà du dernier trou. Ils peuvent serrer les coups. La machine est vénère et se dirige tout droit sur la villa des loups. Nous sommes la douceur qui s'est gantée de fer, et ça fera la somme de toutes nos colères. En colonne, on éclaire de nos mornes couleurs leurs murs de biais verts émergeant de nulle part. On encrasse de nos ancres les rouages enchanteurs qui chantent les louanges des mécanismes amers, qui font de nos engeances les jouets de leurs nerfs et du moindre amoureux un potentiel acheteur. Nous sommes de la race de ces libres penseurs qui firent tourner les têtes autour du grand soleil, qui peignirent des fresques, océans de splendeur et firent des esquifs pour traverser le ciel, qui dans les cataclysmes... Voilà, merci beaucoup à l'ami Teria, qu'on retrouvera un peu plus tard, encore une fois. Donc maintenant, je vais demander aux prochains intervenants de venir s'installer. On va discuter état de droit et démocratie. On avait prévu que Romain du Copper Café nous rejoindrait. On avait prévu que Sophie et Philippe de Sortir du Bois nous rejoindraient. Et que Nicolas Thirion, qui est juriste, nous rejoindrait également. Mais avant d'enclencher cette deuxième thématique, et en espérant que Hugues va, oui, voilà, lever... sur le paperboard pour qu'on voit apparaître la deuxième thématique. Julien va prendre la parole une seconde parce qu'on est en train d'expérimenter ce dispositif. Vous voyez, c'est un peu un dispositif de campagne. Et donc, on recalcule nos manières de fonctionner parce que c'est un peu compliqué. Et voilà, il va réexpliquer comment on va fonctionner pour les deux prochaines thématiques. Voilà, je te cède le micro. Bonjour. Donc, simplement, à la base, on avait prévu qu'il y ait trois citoyens tirés au sort qui se seraient inscrits à l'avance pour demander, pour participer au débat. Malheureusement, personne ne s'est inscrit à l'avance. Donc l'objectif, c'était d'avoir une grande liste avec beaucoup de monde qui s'est inscrit et sur laquelle on tire une personne au sort pour avoir une place au hasard. On a voulu se rattraper en proposant à des personnes de venir ici. On se rend compte que ce n'est pas du tout une bonne idée. Ce n'est pas l'objectif, et l'objectif n'est pas atteint en faisant ça, c'est-à-dire que ce sont le même type de personnes toujours qui prennent la parole. Donc on décide d'arrêter les prises de parole en dehors de celles prévues à l'avance. L'idée sur le fait que les personnes tirées au sort à l'avance, c'était qu'elles puissent recevoir les questions à l'avance, réfléchir à l'avance comme tout le monde, ceci n'est pas de la censure et ceci n'est pas un micro ouvert. Et donc voilà, je suis désolé si ça frustre certaines personnes, mais ce n'est pas un micro ouvert, donc qui veut ne vient pas parler, puisque ce n'est pas le dispositif mis en place. Voilà. Mauvaise surprise. Bonne soirée. Voilà. Ce qui veut dire qu'après la discussion qui va avoir lieu maintenant, on tournera le micro vers le public, et si des personnes ont des questions, on aura à peu près 10 minutes pour que ces questions puissent être posées et qu'il puisse y avoir un dialogue entre les personnes qui vont s'exprimer maintenant et le public. Je rappelle que les personnes qui s'expriment, de nouveau, ce ne sont pas des experts, bon, avec peut-être petite exception pour Nicolas Thirion, à qui je vais passer maintenant la parole, mais qui est un expert un peu particulier, parce que je pense qu'il va nous expliquer en quoi on ne l'a pas écouté jusqu'ici. Donc voilà. Voilà. Donc on va maintenant discuter de l'état de droit et de l'état de l'état de droit et de la démocratie. Et je vais donc passer d'emblée la parole à Nicolas Thirion, à qui on va demander d'expliquer comment on en est arrivé à devoir voter en urgence une loi pandémie. Et puis après, on pourra discuter avec Philippe, Sophie et Romain et Nicolas de ce que c'est au juste que cette loi pandémie. Si c'est une bonne idée ou si c'est pas vraiment une très bonne idée. Voilà, alors le micro, on prend lequel? Tu as un micro, voilà, je t'en prie. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé là, à devoir voter en urgence une pandémie? Dans quoi on est pris là maintenant au niveau de l'état de droit? Oui, alors il faut effectivement préciser que nous vivons une époque formidable. Formidable non pas parce qu'elle était patente, mais formidable parce qu'elle est inédite. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire de la Belgique, il n'y a eu un tel recul et une telle atteinte aux libertés publiques.
Et évidemment, la situation sanitaire a pu, à un moment donné, justifier, si l'on peut dire, de prendre des mesures drastiques. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on l'a fait dans la précipitation, dans la panique, et que fondamentalement, aucun des pouvoirs constitués, c'est-à-dire ni le législateur, le Parlement, ni le gouvernement fédéral, ni les juges, n'ont fait leur travail correctement. Le Parlement d'abord, parce qu'effectivement, quand il s'agit de liberté publique, lorsqu'il s'agit de droit, par exemple, d'aller et venir, lorsqu'il s'agit de liberté de réunion, de manifestation, lorsqu'il s'agit de droit à la vie privée, c'est en principe au Parlement, c'est-à-dire à des parlementaires qui sont censés nous représenter, qu'il incombe de délibérer et de discuter sur les atteintes ou les limites éventuelles aux libertés publiques. Or ici, le Parlement a joué pendant plus d'un an la belle au bois dormant. Enfin, belle, je n'en sais rien, mais au bois dormant certainement. Et par conséquent, c'est un Parlement qui s'est laissé particulièrement embringuer dans une situation où il n'a absolument pas joué son rôle, pour laisser au gouvernement le soin de dépasser très largement les limites du sien. Puisqu'effectivement, faute pour le Parlement, c'est-à-dire pour nos représentants que nous avons en principe élus, de débattre publiquement en toute transparence de la situation, c'est l'exécutif qui s'est donc cru autorisé depuis le début, d'abord le gouvernement de Mme Wilmès et puis celui de M. De Croo, qui se sont autorisés en quelque sorte à agir sans aucune limite, c'est-à-dire sans aucune barrière permettant d'éviter que le gouvernement n'abuse de son pouvoir. Et par conséquent, ce dont on a parlé dans le premier débat, c'est-à-dire des mesures qui apparaissent disproportionnées, telles que, par exemple, un couvre-feu sur tout le territoire national, ce que vous trouvez intéressant, qui est un couvre-feu dans je ne sais quel hameau de la province du Luxembourg, où effectivement on risque peu, même en se promenant à 2h du matin, de contaminer beaucoup de monde. Donc c'est un exemple parmi d'autres du fait que le gouvernement s'est senti libéré, en quelque sorte, de tout pouvoir de contrôle qui aurait pu s'exercer sur lui. Et alors on aurait pu se dire, puisque le Parlement ne faisait pas son rôle et puisque le gouvernement excédait le sien, que c'était les juges, c'est-à-dire les juridictions qui allaient remettre l'Église au milieu du village, et on a vu que là aussi, les juridictions ont été particulièrement peu courageuses en général. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu un Conseil d'État qui a systématiquement essayé d'éviter de censurer l'État, et on a eu, s'agissant de toutes les infractions Covid, c'est-à-dire de toutes ces infractions que nous sommes censés avoir commises en ne portant pas le masque ou d'une façon ou d'une autre, ont été devant des tribunaux de police. Et devant les tribunaux de police, le contentieux Covid est devenu un contentieux de masse. C'est-à-dire qu'en réalité, comme pour les infractions routières, on a eu affaire à des tonnes de dossiers ou à des montagnes de dossiers, puisque les procureurs avaient décidé d'une tolérance zéro. Et devant ces juges de police, eh bien, c'est une fois de plus vérifié ce qu'on pourrait appeler l'existence d'une justice de classe. Parce que qui est poursuivi devant ces tribunaux de police? Ce ne sont évidemment pas ceux qui respectaient les règles, ce ne sont évidemment pas ceux qui ont les moyens de payer éventuellement l'amende de 250 euros qu'il aurait demandé, mais c'est souvent précisément des gens qui appartiennent aux classes sociales défavorisées, qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, qui ne se rendent pas compte qu'il est dangereux d'arriver devant un tribunal de police ou même de ne pas s'y rendre. Et donc finalement, on a vu du côté de la justice pénale se mettre en place une véritable justice de classe. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, cette situation extraordinaire, exceptionnelle, un régime d'exception, a été contesté de plus en plus par les milieux académiques, c'est-à-dire par des juristes profs d'université, tantôt individuellement, tantôt collectivement. Et c'est sur la pression de la société civile et aussi de la Ligue des droits humains, par exemple, ou d'autres associations qui ont fini par parler longtemps et beaucoup de toutes les dérives, de toutes les atteintes à l'état de droit, que le gouvernement a sorti de son chapeau, fin février, un avant-projet de loi de gouvernement. Alors c'était une façon de dire, ou une façon peut-être de répondre au sentiment de, comment dirais-je, de déliquescence qui frappait les institutions belges,
on sentait bien que ça craquait de partout, on sentait bien qu'un certain nombre de juridictions, malgré tout, sanctionnaient les mesures gouvernementales en disant qu'elles n'étaient pas légales, qu'on ne pouvait pas les appliquer, en acquittant des prévenus. Et finalement, je pense que c'est une réaction, encore une fois, du gouvernement qui s'est dit qu'il allait devoir un peu solidifier les choses. Et c'est ce qu'il a fait en mettant en avant un avant-projet de loi pandémie. Mais donc, pendant plus d'un an, nous avons vécu dans un état, et nous vivons encore, évidemment, non pas dans un véritable régime respectueux de l'état de droit démocratique, mais dans un régime d'exception. Et cet avant-projet de loi, mais on y reviendra, cet avant-projet de loi n'est certainement pas le texte idéal pour revenir à une situation, disons, respectueuse et de l'état de droit et de la démocratie. Et justement, peut-être parce que tu, Nicolas, disais, enfin, tu parlais de, des mesures disproportionnées qui s'appliquaient de manière uniforme sur tout le territoire et toutes les populations. Et je voudrais me tourner vers Sophie et ou Philippe. Je vois que Philippe prend des notes. Alors d'abord, ce serait bien que vous expliquiez ce qu'a fait sortir du bois. Bah, rapide, succinctement, et en quoi ces mesures, parce que vous travaillez avec des SDF, essentiellement, et comment est-ce que, par exemple, des mesures vont aller frapper, tu parlais de justice de classe, comment des mesures vont frapper ce type de population, et comment vous travaillez alors pour composer avec des règlements un peu qui sont bancals au niveau juridique, avec ce type de population. Voilà. Ça fait beaucoup de questions, mais enfin, voilà, vous avez compris. Tu te lances. Dès le début de la pandémie, on a très vite compris que la ville de Liège allait mal gérer le problème du sans-abrisme lié à la pandémie. Il faut savoir qu'à Liège, il y a entre 500 et 750 sans-abri. Et je pense que les solutions, dès le départ, c'était de réquisitionner des bâtiments vides, il y avait des hôpitaux, je pense deux hôpitaux sur la ville de Liège qui auraient pu être réquisitionnés. À Liège, à Bruxelles, c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que ces hôtels sont aujourd'hui encore occupés par des sans-papiers, des sans-abri, avec ou sans papiers. Donc dès le départ, moi je suis à l'origine d'un collectif qui organise des convois vers la jungle de Calais. Depuis 5 ans, on organise des convois vers la jungle de Calais. Et au début de la pandémie, Macron nous a dit qu'on ne voulait plus nous voir parce que les distributions étaient interdites, donc à cause de cette pandémie. Et donc on décide très vite de s'occuper des sans-abri qui survivent dans les coteaux. À ce moment-là est né un autre collectif qu'on a baptisé Sortir du Bois. Et... Comment, mais là, donc une question que je posais, c'était de savoir comment vous vous débrouillez pour vivre malgré les mesures. Parce que je suppose que c'est assez compliqué avec ce type de public de pouvoir un confinement, et puis comment est-ce qu'ils doivent gérer trouver des aliments, manger. Le premier confinement était fin de l'hiver, mais il faisait encore froid, voilà toutes ces questions-là. Ben en fait, nous, tout ce qu'on a fait, c'est prendre notre rôle de citoyen. Et on est devenu un collectif. Et toutes les personnes qui nous soutiennent, soit en achetant des sacs, soit en nous offrant des dons, soit en ayant fait des repas l'année dernière, font partie de ce collectif. Et donc, on est un collectif de citoyens. On prend notre rôle de citoyen, mais on le fait seul. On n'a pas de réponse aux demandes qu'on fait au bourgmestre ou à l'administration. À l'administration, on a quelques réponses, mais c'est des distributions de sacs poubelles, ça reste très limité. Donc voilà, on essaie de vivre dans un état démocratique en prenant notre rôle de citoyen, de voisin. Ce sont nos voisins, les personnes qu'on a soutenues. On habite, moi, ils habitent à 100 mètres de chez moi. C'était une espèce d'évidence d'aller les soutenir. Et on a directement mobilisé le quartier Saint-Léonard. Il y a d'autres quartiers qui se sont mobilisés. Moi, je rêve qu'il y ait plein d'autres Sortir du Bois dans plein de quartiers. Enfin, vous prenez le nom que vous voulez, hein, mais qu'il y ait des initiatives de citoyens qui se mettent en place, mais la ville doit soutenir ces initiatives. Un exemple, on les a contactés parce que tous les jours, on reçoit, donc on communique énormément sur les réseaux sociaux. Tous les jours, on reçoit des propositions, j'ai ça à donner, ou alors on a des demandes.
on rêve d'une plateforme, ça me semble très bête à mettre en place. On a contacté la ville, on a essayé de faire une proposition concrète des besoins pour mettre en lien des citoyens et des associations. On n'a pas eu de réponse, donc on est des citoyens sans structure encadrante comme la ville devrait l'être. On peut même ajouter que dès le début de la pandémie, c'est nous qui avons aidé la ville. J'avais une cinquantaine de sacs de couchage qui étaient prêts pour un convoi à Calais. Et quand la ville décide d'installer des tentes minuscules au parc Astrid, des tentes où il faut ramper quoi, pour y accéder, je souligne que les tentes qu'on a distribuées dans les... je suis un peu ému parce que je suis une grosse journée, je suis un peu fatigué. Je suis depuis 6 heures du matin dans les coteaux. Et donc, dès le début de la pandémie, la ville nous contacte et nous demande si on n'a pas, si les sacs de couchage que nous avions prévus pour Calais, on ne peut pas les prêter à la ville. La ville nous a rendu 6 mois après, mais c'était le monde à l'envers, quoi. 2 mois après, quand la ville voit comment on s'organise, comment on s'organise grâce à la solidarité des Liégeois, chaque jour, des Liégeois préparaient des repas pour les coteaux. On nous a même accusé de trop bien les nourrir parce qu'on leur donnait des bières spéciales. L'idée, c'était de les cantonner dans les coteaux. L'idée, on ne savait pas que les sans-abri allaient choper plus ou moins vite le Covid qu'un citoyen lambda. Donc l'idée, c'était vraiment, je me souviens d'une conversation surréaliste avec un responsable d'une salle de consommation où je lui ai dit, il faut venir ici avec la méthadone et l'héroïne parce qu'ils vont aller la chercher en ville. L'idée, c'était de ne pas que ces gens ne deviennent pas des électrons libres qui allaient contaminer le reste de la population. Il y a beaucoup à dire. Il y a un an qu'on est sur le terrain avec ces gens-là. On a vécu des moments horribles, quand il y a eu 4 décès. Il faut savoir que l'espérance de vie d'un sans-abri à Liège, c'est 48 ans. Partout en Europe. Oui, mais enfin, ouais. Là... Ouais. 48 ans. Faites pas un débat de vous deux, sinon... On en fera un de vous deux plus tard. Une autre c'est 48 ans partout en Europe, voilà. Donc, c'est okay. Pas que à Liège, il y en a partout. Il y a des gens partout qui ont des besoins... Mais juste, donc... Du point de vue de l'action que vous menez très concrètement avec un public qui a grandement besoin d'avoir un coup de main, toujours et encore plus particulièrement maintenant, vous, la pandémie, les mesures qui sont prises, c'est totalement dans une autre galaxie par rapport à l'action que vous menez quotidiennement. Je me souviens d'une conversation au début de la pandémie avec Christine Maï. À ce moment-là, je m'occupais beaucoup plus des migrants, les sans-abri, les SDF, c'est qu'on appelle communément les SDF, c'est depuis la pandémie, vu qu'on ne peut plus aller à Calais, etc. Et où on avait la solution, à mon sens, et ça a été fait avec les migrants, c'est plus facile parce que la cohabitation entre les SDF, ça c'est juste impensable à cause d'addictions, etc. L'idée, c'était de cantonner... Dans les églises, dans les omnisports, dans les salles de scouts, les salles de sport, etc. C'est de cantonner les gens et les garder dans ces salles et éviter qu'ils aillent les garder. On ne savait pas au début que la pandémie allait durer un an. On disait que ça allait durer un mois ou deux. Donc l'idée, quand on parlait des personnes âgées et des hommes, etc., il y a quand même eu des... Il y a des expériences au début, enfin expériences. Je me souviens au début de la pandémie où dans certains homes, le personnel médical avait décidé de rester avec les personnes âgées et d'éviter justement de transmettre le virus et de rester avec eux. Et dans ces homes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de décès. Nous, on avait un peu envie aussi de ça, de cantonner les gens, de les aider, rester avec eux dans les coteaux, éviter les allers-retours vers le centre de la ville, parce qu'encore une fois, on ne savait pas s'ils étaient contaminés ou plus sujets à attraper le virus que d'autres, parce que manque d'hygiène, manque de... On va revenir après sur d'autres questions qui sont liées à l'expérience que vous menez sur les coteaux. C'est toujours marrant de faire ce genre de choses en plein milieu de la circulation. Je vais me tourner vers Romain. Donc Romain, toi, toutes les mesures, les lois, les règlements qui sont imposés, ça te touche au quotidien puisque tu travailles dans l'ORECA.
Voilà. Je suis gestionnaire du Cuper Café, donc près de l'église Saint-Barthélemy, et aussi musicien. Donc c'est quand même deux secteurs qui, voilà, deux secteurs qui sont un peu grippés pour l'instant. Bien ramassés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu pourrais attendre d'une réévaluation des règles qui sont prises et de comment est-ce que tu pourrais imaginer une loi pandémie qui soit proportionnée pour toi? Bah, tout d'abord, bravo de rester dans le froid ici pour le débat, parce que ça caille quand même super fort. Et aussi, bravo aussi pour toute cette docilité, parce que moi, je suis quand même assez étonné à quel point on est hyper docile, à quel point on joue le jeu. Je me souviens, en décembre 2019, on voyait les Chinois qui étaient confinés, on se disait tous « Ouais, c'est une dictature, ils sont complètement dingues, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça ?» Et là, ça fait un an qu'on a tous accepté... totalement cette situation, enfin, je trouve ça incroyable, et enfin voilà, bravo à tous en tout cas. Et je tiens juste à dire que j'ai quand même un doute par rapport aux mesures qui sont prises, du bien fondé des mesures, dans le sens où je doute du fait que ce que les politiques nous imposent soit vraiment pour l'intérêt commun, pour l'intérêt à long terme. Je crois simplement qu'ils sont tous en train de se planquer et qu'ils ont tous peur des retombées ou de procès qui vont leur retomber dessus. Et je crois vraiment pas que les mesures sont ce qu'il y a de mieux, en tout cas pour nous pour l'instant. Donc voilà, c'est dans mon humble avis de gestionnaire de café. Et je tiens juste à dire que là, on est dans une discussion dans l'Oreca, on est en train de se demander si on ouvre le premier, si on ouvre le 8. Et... voilà, juste pour dire que si on ouvre le 8, eh ben c'est l'État qui nous a autorisé à ouvrir. Si on ouvre le premier, c'est nous qui nous sommes réouverts. Et franchement, pour une semaine, ça change rien du tout par rapport à la situation actuelle. Mais moi, je vous invite vraiment à aller boire un verre en terrasse, à sortir le premier et imposer à l'État notre planning sur la situation. Ok, je vois que Nicolas applaudit à la réouverture des terrasses le 1er mai. Ben, donc, si les terrasses réouvrent le 1er mai, c'est pas légal. Ou c'est légal, c'est pas légal, parce qu'il y a un procès, l'État, et comment est-ce que... Enfin, on comprend rien, en fait. Mais en réalité, depuis le début, on a le sentiment que la ministre de l'Intérieur successif, donc M. De Crème et Mme Verlinden, n'avaient pas le pouvoir légal de prendre ces mesures. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, le Conseil d'État, saisi d'affaires d'extrême urgence, a suivi en quelque sorte la position du gouvernement fédéral, mais qu'effectivement, au bout d'un certain temps, la Ligue des droits humains a décidé que ça suffisait ainsi et a saisi en référé un juge à Bruxelles. Et ce juge a considéré, non pas pour la première fois, mais d'une façon très spectaculaire, a considéré que tous les arrêtés ministériels pris depuis le début étaient illégaux. Alors quand vous dites, est-ce qu'on peut ouvrir le 1er mai, c'est illégal ou légal, on pourrait dire en guise de boutade, les deux. C'est-à-dire que si on regarde l'arrêté ministériel, on dira que c'est illégal, mais si on dit que les arrêtés ministériels sont eux-mêmes illégaux, rien ne devrait empêcher un tenancier de d'établissement Oreca de rouvrir. Avec néanmoins quand même une nuance, évidemment, c'est que quand c'est l'exécutif qui commet une illégalité, donc quand c'est le gouvernement qui agit dans l'illégalité, en principe, on n'a pas le droit de désobéir. Il n'y a pas de droit de désobéissance. C'est-à-dire qu'il faut obéir et puis contester après. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même, me semble-t-il, une telle situation d'exception depuis des mois et des mois que parfois, la seule solution, c'est effectivement de manifester un acte de désobéissance. Ce n'est pas du tout d'user d'un droit à la désobéissance qui n'existe pas, mais c'est un acte politique de désobéissance. Et de ce point de vue, il me semble qu'aussi bien du point de vue de la culture que du point de vue de l'Oreca, à certains moments, il faut passer à une désobéissance qui est un acte politique, en assumant évidemment les conséquences peut-être difficiles. Alors juste, parce que comme ça on est sur un problème concret, s'il y a une réouverture des terrasses, ça devra, les amendes qui pourraient être infligées pourront se contester en justice et il n'est pas impossible qu'elles soient caduques.
Oui, c'est ce qui est arrivé à certains moments devant certains tribunaux de police. En effet, ce qui s'est passé, c'est que certains tribunaux de police, notamment à Bruxelles et dans le Hainaut, ont jugé que les arrêtés ministériels étant illégaux, par définition, les amendes que l'on voulait faire payer aux prétendus contrevenants n'étaient donc pas dues. Mais encore une fois, tout cela doit être assumé avec les risques qui accompagnent, c'est-à-dire qu'il y a des tribunaux pour l'instant qui considèrent que c'est illégal et par conséquent, si vous ne payez pas votre transaction, eh bien, vous serez éventuellement poursuivi, mais le cas échéant, le tribunal pourra vous acquitter parce que tout simplement, il estime que l'infraction qu'on vous reproche n'était pas illégalement, adoptée, n'était pas légalement adoptée. Et puis vous aurez des tribunaux de police, ce sont ceux effectivement qui voient défiler devant eux des gens qui n'ont pas d'avocat ou des gens qui ne viennent même pas et qui ne prennent même pas la peine en quelque sorte de vérifier la légalité des arrêtés ministériels, alors qu'ils en ont en principe l'obligation. Donc évidemment c'est un risque, la question est toujours une question politique, elle n'est pas juridique. La question politique, c'est à supposer même que nous risquions de subir des verbalisations, à supposer même que, voilà, eh bien la question c'est qu'est-ce qu'on peut néanmoins faire et est-ce qu'on est prêt à sauter le pas d'une forme de désobéissance. Ok, ben voilà, c'est l'enjeu du 1er mai. C'est un des enjeux du 1er mai. Voilà, alors il y avait une deuxième question qui était liée à l'état de droit et à la démocratie, qui nous travaillait au sein de Liège Solidarité Culture. C'est une partie concrète de ce qui pourrait, si j'ai bien compris, ne pas être dans la loi pandémie, parce que c'est quelque chose qui va être voté à un niveau plus élevé au niveau européen, mais qui est assez inquiétant, c'est le passeport sanitaire. Donc je me tourne vers Romain, parce que le passeport sanitaire, ça pourrait concrètement concerner notamment des tenanciers de l'ORECA, qui pourrait très bien, à un moment donné, être amené, si j'ai bien compris le projet, à installer des petits lecteurs de QR code à l'entrée pour faire rentrer des gens dont le passeport sanitaire serait vert. Voilà. Qu'est-ce que toi tu penses concrètement d'une mesure pareille, sachant qu'on fait miroiter à l'ORECA ce type de dispositif comme étant peut-être permettant de relancer l'activité. On en parle pour le tourisme, on en parle... voilà. Qu'est-ce que... Non. Oui, donc voilà. Non, le passeport sanitaire, c'est à l'ordre du débat, il était inscrit sur le panneau. Donc voilà. Donc Romain, si tu veux bien t'exprimer... Concernant le passeport sanitaire, c'est toi, en tant que responsable du Copper Café, donc à travailler dans l'ORECA, tu penses par rapport à ça ? J'ai pas envie vraiment de donner mon avis sur le côté discriminant de cette mesure et du fait que certaines personnes puissent ou non avoir accès au vaccin et acceptent ou non d'avoir le vaccin et puis après puissent venir dans un établissement ou un autre. Mais en tout cas, je tiens à dire que entre les deux confinements, nous on a quand même joué le jeu, on a quand même fait respecter le port du masque, on a fait respecter toutes les règles sanitaires et je crois que l'ORECA a un rôle à jouer en tout cas de ce côté-là. On voit bien, dès qu'il fait un peu beau, dès qu'il y a du soleil, ben, y a des jeunes qui vont se réunir partout, tout le monde boit un verre en extérieur. Ben, le fait d'avoir des terrasses, le fait de pouvoir, nous, ORECA, contrôler, faire respecter certaines règles, eh ben, je pense que c'est vraiment bénéfique, en tout cas, dans la gestion de cette situation. Donc, laissez-nous ouvrir nos terrasses, laissez-nous faire respecter les règles comme on peut, et du coup, aider tout le monde à jouer le jeu de la situation. Et le plus vite possible, parce que vraiment, ça fait trop longtemps et on a perdu beaucoup trop d'argent. Et l'ORECA, il va falloir des années pour rembourser l'argent qu'on a emprunté à gauche, à droite. Et on ne peut plus supporter plus longtemps, en tout cas. Concrètement, tu estimes qu'il n'y a pas besoin... Concrètement, tu estimes qu'il n'y a pas besoin que les gens qui viennent au Cupper montrent patte blanche avec quelconque dispositif. Tu penses que les protocoles tels qu'ils ont été définis il y a plusieurs mois sont suffisants? Bah, je pense que nous, on peut faire respecter certaines règles. Et franchement, moi, en tout cas, dans mon café, le public qui vient respecte les règles et joue le jeu à fond. Ils ont été parfaits entre les deux confinements. Et ici, est-ce qu'il faut ou non avoir un passeport sanitaire? Franchement, là-dessus, je pense que je ne suis pas compétent. Mais en tout cas, nous, à l'ORECA, on peut jouer le jeu, faire respecter les règles sur nos terrasses. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire entre les deux confinements. Quoi. Et je me tourne vers Sophie et Philippe.
Donc, de nouveau, vous travaillez avec des SDF, donc c'est cette idée qu'on pourrait donner à tout un chacun pour lui permettre de circuler à un passeport sanitaire, ce qui est une des mesures qu'on nous présente comme étant potentiellement, comme donnant la possibilité de sortir de la logique de confinement dans laquelle on est actuellement. Concrètement, ça vous inspire quoi ? Ça marche pas. Non. Pierre, oui, voilà. Là, pardon. Passeport sanitaire, oui. Puis après, on a déjà la loi mendicité qui doit certainement être super chiante à gérer pour eux. Donc, ça rajoute une couche dans la difficulté de vivre pour une personne qui est en précarité. Est-ce qu'ils vont devoir avoir un passeport sanitaire pour venir faire la manche à une terrasse ? Enfin voilà, moi ça m'évoque ce genre de truc enfin un peu con, mais parce que j'y ai pas encore réfléchi. J'ai juste envie de raconter la fois où les sans-abri ont reçu des masques de la ville de Liège. Ils ont reçu deux masques blancs, ce qui les a fait beaucoup rire, parce que deux masques blancs dans les bois, c'était complètement ridicule. Ils pouvaient aller le laver dans un endroit, revenir. Enfin, voilà, c'est des personnes qui ne sont pas du tout impliquées dans la réflexion. Enfin, c'est des lois qui ne sont pas adaptées pour eux, en tout cas. Et ils continueront malheureusement à être en dehors des clous et à vivre en dehors des clous. Donc en fait, on ne s'en préoccupe pas et on les laisse en dehors des clous. C'est de la même chose que lorsque les pouvoirs publics ici à Liège ne répondent pas aux demandes des citoyens, on nous laisse continuer à vivoter en dehors des clous de façon assez méprisante. Mais concrètement, toi, tu penses que quand on est face à ce type de problème où il y a toute une population qui vit en dehors des clous, tu préconiserais quoi ? Qu'on élargisse les clous ou qu'on les fasse rentrer dans le... Déjà pour ce qui concerne les... Attends, il y a... Voilà. Vas-y. Déjà pour ça, tu vois peut-être pas le micro, voilà, ça. Vas-y. Déjà, pour ce qui concerne les sans-abri sans papier, il faudrait, avant de penser à un passeport sanitaire, il faudrait penser à un passeport tout court. Alors, pour un petit mot de conclusion avant de passer la parole au public. Donc, là, on est encore avec le passeport sanitaire. Je me tourne vers Nicolas Thirion. On est encore dans autre chose, parce que ça, on négocie encore quelque chose qui a quand même l'air d'être assez lourd à un niveau, au niveau européen. Et ça pourrait déboucher sur quel genre de... On n'y voit pas très clair non plus, hein, sur le passeport sanitaire. En fait, ça va, ça ? Oui. Donc, en fait, le passeport sanitaire est un projet de règlement européen qui va donc ne pas concerner spécifiquement la circulation à l'intérieur des frontières d'un même État. Évidemment, chaque État pourrait éventuellement s'inspirer de ce passeport sanitaire, mais le passeport sanitaire européen, c'est prétendument pour faciliter la liberté de circulation d'un pays à l'autre dans des conditions qui seraient des conditions idéales pour la santé publique. Alors, on va dire deux choses très brièvement. C'est que d'une part, le passeport sanitaire ne permet pas d'atteindre l'objectif de santé publique qu'il se donne, et que pour aboutir à ce résultat inefficace, il viole là encore un certain nombre de libertés fondamentales. Alors, pour dire en quoi c'est inefficace, c'est que l'idée, c'est qu'il faudra prouver, quand on veut passer une frontière, qu'on a soit été vacciné, soit qu'on a un test PCR négatif datant de moins de 48 heures, soit qu'on ait un certificat qui établit qu'on l'a déjà chopé, hein, le virus, et que par conséquent on est immunisé. Et donc l'idée, c'est au nom de la santé publique. Mais d'abord, première chose, s'agissant du vaccin lui-même, si je me souviens bien, la seule protection qu'il offre, c'est la protection sur la personne vaccinée de ne pas développer de forme grave de la maladie. Mais les vaccins actuellement en circulation ne permettent pas de dire avec certitude que celui qui a chopé le virus ne peut pas le transmettre. Donc le fait d'avoir été vacciné au nom de la protection de la santé publique, c'est-à-dire pour éviter de contaminer les autres, n'a pas de sens. Et donc
donc un PCR positif ou négatif, s'il est négatif, le PCR, ben, il date d'il y a 48 heures, donc le Covid pouvait l'avoir eu. Donc, au fond, ce sont des mesures... Ouais. Et donc, ce sont donc des mesures... Tout à fait. Et donc, ce sont des mesures qui sont scientifiquement non étayées. Et ces mesures scientifiquement non étayées aboutissent à limiter, de façon, à mon avis, disproportionnée encore, les libertés de circulation des personnes d'une frontière à l'autre. Et donc, on va retrouver, au fond, des obstacles à la libre circulation dont on nous vantait il n'y a pas longtemps les merveilleuses possibilités. Et pourtant, a priori, le passeport sanitaire, il sera voté en juin par le Parlement européen. Le Parlement a accepté une procédure d'urgence, en effet, pour voter au plus vite ce prétendu passeport sanitaire. Tout ça, c'est toujours voté en urgence. Oui, comme la loi pandémie, d'ailleurs. Voilà. Ils ont eu un an pour la faire, mais néanmoins, maintenant, il faut la voter au plus vite. Donc, merci pour cette conclusion. On voit que l'urgence permet quand même de faire passer pas mal de dispositifs qui vont sans doute durer plus longtemps que l'urgence. Alors, on va se tourner vers le public. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est-à-dire que si vous voulez ajouter une question, Hugues, où es-tu ? C'est Hugues qui doit passer les micros. Donc, s'il y a une question, donc ajoutez une question aux questions qui ont déjà été posées. Voilà. Et nous verrons après comment elles inspirent nos intervenants et intervenantes. Qui a une question ? Merci. Voilà. Bonjour. Une question très simple, en fait. Donc, vous avez résumé, Monsieur Thirion, que la Ligue des droits de l'homme avait poursuivi l'État belge en justice et a obtenu gain de cause sur l'illégalité des arrêtés ministériels. On a vu un certain nombre de ministres dire qu'ils étaient soit pas impressionnés, soit que ça n'allait rien changer. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si les recours qu'on fait en justice contre le pouvoir n'aboutissent pas et que nos ministres nous crachent limite leur mépris à la gueule ? Oui, je suis d'accord avec vous pour dire que la réponse du ministre de la Santé était inappropriée, puisque le débat portait sur la légalité des mesures gouvernementales et M. Van den Broek a manifestement compris qu'on l'interrogeait sur son taux de testostérone. Mais en tout état de cause, ce qui est certain, c'est qu'il y a d'abord une victoire symbolique. Et la victoire symbolique, c'est qu'un juge a reconnu que pendant plus d'un an, le gouvernement a agi illégalement. Alors, revenir à la symbolique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais quand même, c'est-à-dire que le gouvernement a été tellement entêté dans son idée qu'il faisait tout très bien et qu'il n'y avait aucun problème, que le simple fait qu'un juge vienne dire non, ça n'a pas été et ça ne va pas, c'est déjà une consolation, c'est-à-dire que c'est une façon de dire oui, il y a un problème. Et puis il faut savoir aussi que l'ordonnance en question a fait l'objet d'un appel, et donc le gouvernement s'est empressé de faire appel, et donc par conséquent on attend un peu l'issue du contentieux, mais le gouvernement est tellement dans la crainte que la cour d'appel confirme l'ordonnance et que par conséquent la cour d'appel déclare la mesure illégale, que précisément il a décidé depuis quelques jours d'accélérer le tempo pour faire voter la prétendue loi pandémie. Parce qu'ils savent que si évidemment la cour d'appel dit que c'est illégal, alors ils vont se retrouver vraiment dans une situation tout à fait problématique, avant le 1er mai d'ailleurs. Parce que si l'arrêt de la cour d'appel est rendu avant le 30 avril, et si elle confirmait l'illégalité, et si la loi pandémie n'est pas votée, je me demande dans quelle situation juridique, dans quel merdier juridique, le gouvernement risque de se retrouver. Donc, et pour rebondir sur la question qui a été posée et la renvoyer vers Sophie, Philippe et Romain, c'est en fait un peu la question de se dire, si le gouvernement fait la sourde oreille quand on lui fait remarquer que c'est illégal, que les mesures sont illégales, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour soutenir quelque part cette stratégie de combat juridique ? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire ? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en plus là maintenant ? Qu'est-ce que tu proposerais, Sophie ? Je te prends un peu à brûle-pourpoint, mais... Ouais, alors, Romain a une réponse, tu pourras...
Vas-y. 1-2, 1-2, voilà. Même si je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et... enfin, je suis vraiment tout à fait d'accord, pas du tout en contradiction, c'est l'aspect légal des choses. Moi, je pense que les lois, c'est avant tout un moyen de vivre en société, ça représente certaines valeurs morales, ça représente des valeurs auxquelles on adhère, auxquelles on croit. C'est pas la vérité, c'est des lois qui ont été écrites pour le vivre ensemble. Et à partir du moment où les lois sont aussi éloignées de nos valeurs et de la moralité, de ce qu'on considère tous comme normal et juste, ben, je crois qu'on a le devoir d'aller à l'encontre. Ça me fait penser un petit peu à la prohibition, par exemple la prohibition aux États-Unis, l'alcool. Ben, personne ne suivait ces règles ou ces lois parce qu'on se rendait bien compte que ça ne rejoignait pas nos valeurs et notre moralité. Et ici, je pense qu'on doit suivre notre intuition et arrêter de suivre ces lois qui sont contradictoires et injustes, en tout cas d'une certaine manière. Ok, c'est une piste. Une autre piste ? Non. Non, c'est la même. C'est parce que nous, on n'a pas l'impression d'avoir été hors la loi. On a, comme je l'ai dit, pris notre rôle de citoyen très au sérieux. Mais voilà, sans sortir des clous, mais en essayant... Bon, pour répondre à ta question tout à l'heure, est-ce qu'on fait rentrer les gens dans les clous ou est-ce qu'on les aide à vivre en dehors des clous ? Bah, il faut élargir les clous, je pense. Il faut, enfin, ça passe par l'information, par la communication et que les personnes puissent elles-mêmes prendre les choses en main. Donc, pour revenir à la question du passeport ou autre chose, hein, quoi que ce soit, si les personnes n'ont pas accès déjà à l'information, elles ne vont pas pouvoir réagir et donc être maîtres de leur position. Il faut savoir que... Juste une sous-question, est-ce que les étaient particulièrement regardants sur les mesures et ont voulu qu'ils respectent ces mesures? Comment est-ce que ça s'est passé à ce niveau-là? Oui, là j'ai un problème avec le micro. Tu ne m'aimes pas ou quoi toi? Il fait mais de la tête. Tolérant, forcément, on a fait le job. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, on a prêté 50 sacs de couchage au parc Astrid. Les invisibles, on les a rendus encore plus invisibles. Et c'est ce qui arrange la société, quoi. Hein. Donc, oui, les flics ont été tolérants. Voilà. Alors, Nicolas, vous voulez ajouter le mot de conclusion sur cette thématique. C'est pas le mot de conclusion, mais c'est pour revenir à la question des SDF. Et je sais que lors du confinement printanier, le premier confinement, puisque il fallait une tolérance zéro et puisque les parquets ont décidé qu'il fallait être impitoyable avec la poursuite des infractions Covid, eh bien, il est arrivé, en tout cas en mars et en avril 2020, que la police, à qui cela a été demandé, que la police verbalise des SDF qui évidemment ne pouvaient pas payer la transaction de 250 euros qui, bon, au non-respect du confinement, oui, évidemment, le non-respect du confinement puisqu'ils étaient dehors. Et alors la suite, ça a été fondamentalement que oui, soit on est verbalisé, et à quel domicile envoie-t-on la proposition de transaction pénale? Donc il y avait vraiment, si vous voulez, en tout cas au tout début et encore en grande partie maintenant, il y a une forme d'absurdité kafkaïenne dans la façon de traiter les problèmes. Et en particulier à l'égard justement de gens précarisés, le fait d'avoir voulu appliquer à toute fin et à toute force les mesures répressives témoigne d'un État qui ne va plus bien, d'un État démocratique qui ne va plus bien, car un État qui s'appuie uniquement sur la répression à l'égard des populations les plus précarisées est un État qui manifestement file un mauvais coton. Bah donc c'était bien un bon mot de conclusion, voilà, pour cette thématique-ci. Il y aura un débat, donc le prochain débat, dont on ne sait pas quand il sera organisé encore, mais il portera sur la justice et Nicolas Thirion fera partie du panel d'intervenants. Voilà, peut-être le 8, voilà, pour la réouverture officielle des terrasses. Voilà. Il va y avoir une autre, donc c'est toujours la Mitteria, c'est ça? On était d'accord avec ça? Oui, voilà. Ben alors, ce troisième temps de pause artistique, et puis on reviendra avec un ultime débat. Voilà, on remercie tous les intervenants et intervenantes, merci beaucoup. Voilà. Et donc pour ceux qui se poseraient la question, Géraldine Causier viendra après le troisième moment de débat pour nous ravir encore les oreilles.
En quelques mots, l'autre soir, je pensais justement à ces moments où on était à nouveau réunis, à ces moments, à ces soirées qu'on vivait, à ces concerts, à ces endroits de fraternité, de solidarité, de vie qu'on connaissait. Et une ritournelle est restée en tête. Et du coup, je vais vous la partager. Parce que Pierre ne t'aime pas, voilà. Celui-là, ouais. Voilà, c'est celui-là, voilà. Alors, pour introduire la réflexion sur cette thématique de la santé, on a une question qu'on s'est posée, c'est d'essayer de comprendre ce que cette pandémie que nous vivons révèle de l'état de nos soins de santé. Parce qu'on a l'impression d'avoir découvert ou d'avoir eu la confirmation, pour certains qui avaient déjà des doutes, que ce n'était pas toujours terrible et toujours forcément organisé comme on aimerait que ce soit organisé. Donc du coup, pour lancer un peu le débat, bah, je vais me tourner vers Pascou, puisque normalement, tu as une expérience dans les soins de santé. Et à ton avis, voilà, qu'est-ce que ça révèle, cette pandémie, de l'état de nos soins de santé, selon toi ? Bonsoir. Je pense que ça confirme des choses qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire qu'il manque des lits dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de sous dans les soins de santé, il manque de structures, il manque de médecins généralistes, il y a plein de métiers qui sont en lien avec les soins. Je pense aux infirmières, mais pas que. Je pense aux femmes de ménage, je pense à tous ceux qui vont tourner les hôpitaux. Alors, pas les hauts placés, mais plutôt les petites mains ou ceux qui sont dans les soins. C'est pas assez valorisé, donc ça a confirmé bon nombre de choses qu'on savait déjà. C'est pas une surprise, je pense. Il y a aussi des études qui montrent que plus on est fragile, plus on est précaire, plus on a besoin de soins de santé, plus on a difficile d'avoir accès aux soins de santé. Et donc ça, c'est des choses qui se confirment encore aujourd'hui. J'ai rien d'autre de plus à dire, à part que ça confirme effectivement tout ce qu'on savait déjà. Est-ce que c'est... est-ce qu'il y a certaines choses qui ont été améliorées en 13 mois ou ça n'a fait que rester pareil, voire est-ce que ça ne s'est pas empiré ? Je pense qu'il y a eu dans les médias quelques trucs qui ont été dit, voilà, on a donné une prime aux infirmières, on a fait ci, on a fait ça, mais en fait c'est que des petits pansements, c'est vraiment pas des améliorations drastiques. Je pense que non. Je pense pas que la situation se soit améliorée. Il y a des choses qui sont de terrain que vous avez demandé à partir d'expériences de terrain et vous n'avez pas obtenu de réponse positive. Ça, vous avez formulé des revendications ? Je pense qu'il y a la santé en lutte. Enfin, je suis sûre, je sais qu'il y a la santé en lutte qui commence à faire un excellent travail, qui se bat, qui est réprimé, qui n'est pas toujours entendu, mais ça... Peut-être ça va faire bouger les choses, mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. La santé à l'U, c'est un collectif de soignants et de soignantes. C'est un collectif de soignants et soignantes, oui, qui essaye de revendiquer plus de droits, plus de sous, plus de une justice sociale avec des mesures solidaires, plus d'investissements, des politiques dans les soins de santé. Moi, je suis pas dans la santé en lutte, donc je peux pas vraiment vous en parler plus que ça, mais il y a moyen de vraiment trouver des informations assez facilement. Il y aura un prochain débat sur la santé. Je pense qu'il faudra, à mon avis, inviter quelqu'un de la santé en lutte. Mais je pense aussi, par exemple, il y a Charles Culot qui est là et qui pourra venir prendre la parole parce que lui, il travaille avec la santé en lutte. Quoi ? À un moment donné, il peut venir nous rejoindre, puisqu'on pouvait être quatre au départ. Il peut dire deux mots par rapport à ça. Et il peut aussi parler de la culture, il est dans les deux. Tu veux venir, Charles ? Oui. Allez, Charles, te fais pas prier, viens avec nous. Voilà. Oui, les gens se mettent à changer les règles en plein milieu. C'est pas très correct, mais c'est parce que justement, Pascal disait, moi je fais pas partie du collectif Santé en lutte, et Charles en fait partie. Charles fait partie du collectif Santé en lutte. Voilà. Je ne suis pas soignant, je précise. Ah, donc il n'y a pas que des soignants et des soignants dans le collectif Santé en lutte, c'est déjà... Non, dans le collectif Santé en lutte, justement, c'est ouvrir à tous ceux qui veulent s'emparer de leur santé. Et il y a beaucoup de sa part des travailleurs de la santé, mais c'est rejoint par énormément d'autres citoyens. Et alors, puisque tu as pris le micro, du point de vue de quelqu'un qui participe aux travaux de ce collectif, qu'est-ce que cette pandémie révèle de l'état de nos soins ?
Et qu'est-ce que ça fait combien de temps que vous, comment est-ce que ce collectif s'est-il créé et il y a combien de temps que tu l'as rejoint? Moi, j'ai rejoint le collectif dans l'année ici. Présent parce qu'on travaille sur les soins de santé dans le cadre d'une pièce de théâtre, parce que je suis aussi dans le théâtre, une pièce sur les soins de santé, de théâtre documentaire sur les urgences. Et donc, en fait, ce que nous, modestement, en allant sur le terrain, en interviewant, parce qu'on pour réaliser nos pièces, on interview les soignants, les médecins, les infirmières, et ce qu'on remarque, c'est que le Covid n'est qu'un révélateur des défaillances de la santé, des soins de santé. Ils étaient déjà limite avant. En termes de personnel et de moyens humains et de matériel. Et le Covid n'a fait que révéler le fait qu'ils étaient déjà bien en dessous, bien avant le Covid. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a rajouté des lits? Est-ce qu'on a rajouté des infirmières? Est-ce qu'on a rendu le métier attractif un an après? De manière générale, non. Par rapport à ça, vous pourrez peut-être m'aider à y voir un peu plus clair et nous aider à y voir un peu plus clair. Souvent, il y a cet argument qu'on n'a pas rajouté des lits, on n'a pas augmenté le nombre de soignants, mais est-ce que c'était possible de faire ça en si peu de temps? Donc en un an à peu près, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? C'est souvent une question qui revient sur la table. C'est une question politique de moyens, de mettre en place les moyens pour embaucher des infirmières, surtout pour le rendre attractif, parce que c'est un métier où il y a énormément de turnover, mais ça c'est comme dans beaucoup de métiers sociaux, comme dans les assistants sociaux, les CPAS et tout, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers qui ont arrêté leur boulot parce qu'il était trop difficile, parce que les conditions de travail ne sont pas adéquates, et du coup on a énormément de personnel qualifié en Belgique. Et en France c'est pareil aussi. Et donc il suffirait de le rendre attractif pour ramener tous ces gens dans la profession. On les a, il suffit de débloquer les moyens, et donc c'est politique. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est politique. Donc tu confirmes qu'il y a bien une réserve de personnel soignant qu'on aurait pu mobiliser? Et c'est ce qui me confirme tous. Après tu peux tout à fait, toi qui es dans le milieu aussi. Je pense qu'il y a une réserve, oui. Après, c'est comment on les exploite. C'est ça aussi. Est-ce qu'on les exploite sans salaire? Il aurait fallu pouvoir changer la donne pour pouvoir la mobiliser. Voilà. Je pense que les étudiants ont été exploités aussi. Il y a beaucoup d'étudiants infirmiers qui nous ont dit « Ah ben, j'ai été envoyé dans les services Covid, j'ai été prêté renfort dans les maisons de repos, donc ils ont donné leur temps ». Tout ça, évidemment, n'a pas été compté dans leurs heures de stage. Ils ont eu juillet, août pour rattraper des heures de stage. Donc il y a du personnel, mais du personnel épuisé qui n'en peut plus, du personnel qui n'a plus envie de travailler gratuitement, qui n'a plus envie de travailler, de prendre des risques, qui a envie d'être respecté. Et donc voilà, c'est pas qu'il n'y avait pas possibilité. C'est que, est-ce qu'on donne les moyens, est-ce que le gouvernement met des sous là où il doit les mettre? En termes d'infrastructure, je pense qu'il y a aussi eu le déménagement vers le Mont Légia. Il y a plein d'hôpitaux qui sont vides actuellement. Il y a des bâtiments avec encore du matériel dedans, parce qu'au Mont Légia, il y a du nouveau matériel. Donc oui, il y aurait pu y avoir des services qui ouvrent dans des hôpitaux qui sont actuellement vides. Et donc, oui, sur Liège, il y aurait pu. Après, pourquoi ça ne s'est pas fait? C'est la bonne question. Mais alors, vous avez un peu déjà réfléchi. Toi, tu fais partie de ce collectif. Toi, tu travailles dans le secteur. Youssouf, toi, tu travailles comme animateur, plutôt un animateur sportif. Qu'est-ce que tu as appris de l'état de nos soins de santé grâce, je vais dire, à cette pandémie? Bonjour, moi je m'appelle Youssouf. D'abord, je travaille comme animateur sportif dans l'association Intera. C'est vrai que le sport qu'on fait avec les jeunes et tout ça, avec cette épidémie et tout ça, donc c'est un peu compliqué pour les jeunes. Et surtout, comme quand on a quand même des partenariats avec les gens, quand on essaye de faire des trucs avec eux, c'est toujours le mésir qui bloque toujours pour faire les activités en fait, avec les jeunes, comme si on est quand même 10 personnes ou 15 personnes. C'est toujours compliqué de faire ça, donc on doit toujours diviser un groupe pour faire des groupes de 4x4 avec les jeunes. Donc je vois que les jeunes, maintenant, ils sont quand même vraiment... besoin de sortir, de faire des sports parce qu'ils ont tellement d'énergie, et de rester toujours à la maison sans rien faire, sans faire de sport, même avec l'école aussi, ils ne savent pas aller à l'école, c'est deux fois semaine, une fois sur deux, donc je trouve que c'est vraiment compliqué pour les jeunes et pour nous aussi, comme éducateurs sportifs, parce que tu travailles avec les jeunes de quel quartier, quel secteur? En fait, je travaille avec des jeunes des MENA, donc entre 15 ans jusqu'à 26 ans. Donc, c'est compliqué quand je fais des activités avec eux. Ils ont vraiment... Quand l'activité est finie, ils ont vraiment envie que ça ne soit pas fini, qu'on continue, parce qu'ils restaient toute la journée dans leur chambre, fermée et tout. Donc, ça fait quand même un lieu, ça crée...
une ambiance en fait quand on fait des activités avec eux. Comme par exemple, je fais des activités sport avec des jeunes, des activités de la boxe. Et c'est un truc qui parle beaucoup aux jeunes pour le moment, parce qu'ils défoulent vraiment de, quand ils font de la boxe. Et si, bah, par exemple, si je fais une activité avec un groupe de jeunes pendant une fois par semaine, donc ils demandent toujours, il y a toujours des demandes de venir aussi encore pour faire ça deux, trois fois par semaine. Et il y a vraiment des demandes sur les sports, et surtout la boxe. Et vraiment, ils ont tellement d'énergie pour défouler. Et vous pouvez y répondre à ces demandes? Parce que c'est quand même des demandes qui... on a beaucoup parlé, c'est vrai qu'on n'a pas, pas prévu d'aborder cette question préalablement, mais y a, derrière, il y a santé, mais il y a aussi santé mentale. Enfin, on a beaucoup lié le problème de la jeunesse et de la santé mentale, et je pense que la pratique du sport, comme tu es en train de l'expliquer, c'est aussi une nécessité pour l'équilibre mental. Est-ce que vous arrivez... À répondre aux demandes? Tu disais qu'il y a une forte demande. À répondre, bah, je ne sais pas, mais on essaie toujours de répondre à ces demandes des jeunes. Donc on fait des activités avec eux par rapport à... Mais vous pouvez... Si, c'est prévu de discuter de ça. Si. Non. Je peux finir? Alors, la question c'est de savoir si vous avez les moyens maintenant et la possibilité de répondre aux besoins qu'expriment les plus jeunes avec lesquels vous travaillez. J'ai pas compris. Est-ce que quand tu disais il y a une demande d'avoir plus d'activités, qu'il y a plus de cours de boxe, d'activités sportives, est-ce que vous arrivez à répondre à cette demande? Ou vous devez limiter le nombre de participants, limiter le nombre de sessions, vous ne pouvez pas faire tout ce qu'ils vous demandent? Bah, si, on doit toujours limiter le nombre de participations, parce que maintenant, c'est juste 10 personnes qui peuvent faire le... Est-ce que concrètement, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent participer qui ne peuvent pas? Si, il y a des gens qui veulent vraiment participer. Mais tous ceux qui veulent participer peuvent participer ou... Oui, en tant qu'ils sont toujours dans le nombre de 10 personnes, pour respecter les mesures, ils sont acceptés. Donc il y a pas toi tu ne dois pas dire non à certaines personnes. J'aime pas dire déjà non aux gens. J'aime pas déjà refuser des gens s'ils vont venir pour faire des sports avec qu'on est 10. Je peux pas. J'aime pas dire non aux gens, surtout aux jeunes. Donc j'ai pas envie de refuser quand même quand un jeune qui vient pour faire des activités des sportives avec moi, ouais, de lui dire non. Mais là on l'a vu, on en a discuté avant qu'il y a des mesures qui t'obligeaient à dire non à des gens. Bah oui, ça c'est vrai, mais voilà, c'est qui respecte maintenant les mesures vraiment? Donc là, on a les masques tous en poche, mais voilà, donc on les met juste quand on va à la police ou pour, on a peur de payer une amende, mais c'est pas vraiment pour qu'on a peur de ce virus là. Donc quand on regarde tout le monde, ils ont regardez tout le monde, il y a personne qui a des masques, et donc je pense que c'était juste la peur. Ouais. Frédéric, tu voulais réagir? Je veux bien, en tant qu'intervenante culture, donc dire mon petit mot et quand même aussi rebondir sur ce que vient de dire Youssouf. Je pense effectivement qu'il y a quand même énormément d'hypocrisie dans toute cette histoire, et je pense que l'hypocrisie, ça ferait un beau thème d'un prochain débat, en fait. Comment on vit en stumbling, en fait, en faisant semblant, et qu'on est vraiment loin d'être tous convaincus, mais surtout très obligés. Voilà. Et donc, par rapport à cette question de santé, par rapport à mon rôle, notre rôle à tous en tant qu'opérateur culturel, moi je suis artiste, je fais partie d'une compagnie d'art de la rue et je suis aussi à la programmation d'un petit lieu. Et donc justement, par rapport à la santé, je ne vais pas évidemment me prononcer comme peut le faire Pascal en tant que professionnel de la santé, mais en tant que professionnel de la culture, effectivement, je rebondis sur tout le côté santé mentale et équilibre psychologique de toute une société. Je pense qu'on fait vraiment partie du jeu et que je ne comprends pas malgré tout comment est-ce que on s'efforce comme ça de mettre tout ce secteur en fait en veille et en silence. Alors je pense qu'il fait vraiment partie de la solution du stress qu'on a tous depuis un an à vivre dans ce monde complètement sclérosé où on nous isole les uns des autres.
Faut pas oublier que on est fondamentalement des êtres de société, on a besoin des uns des autres, les secteurs ont besoin les uns des autres pour exister, on existe tous comme une espèce de grande pièce d'un grand puzzle, et que de nous séparer, de mettre comme ça des pans entiers sous cloche, ça ne peut pas fonctionner. Et donc je pense que la culture, on en a vraiment besoin. Je ne prêche pas pour ma chapelle, mais moi, si j'ai choisi de faire ça dans ma vie et ce métier-là, c'était vraiment pour nourrir le lien social. Et je pense que c'est fondamental, justement, avec toutes les angoisses que génère en fait cette crise sanitaire, on a vraiment besoin de se retrouver, d'échanger et aussi de partir dans d'autres univers. On ne peut pas rester comme ça chaque soir, cloîtré chez nous devant notre télé, à recevoir en fait tous leurs discours complètement anxiogènes, et on nous conduit comme ça en plus vers un monde à la chinoise comme ça. Et donc on doit effectivement résister, la culture doit faire partie de cette résistance active, et je pense qu'on en a tous très, très besoin, et il y a une urgence de se retrouver autour de ça. Tu disais justement comment la culture, mais sans doute d'autres secteurs aussi, pourraient faire partie des solutions. Et justement, il y avait une deuxième question qu'on se posait, je voudrais rebondir sur ce que tu disais pour l'introduire, c'était comment est-ce qu'on va réussir à sortir de... On a été fort objectivisé par ces mesures, on a, je le disais en introduction, on a un peu l'impression qu'on nous a traités comme des poules à batterie, on sait pas très bien où on va, ça nous tombe dessus. Comment est-ce qu'on pourrait sortir de là pour arriver à mettre des choses en place concrètement, à même nos expériences quotidiennes, à même les lieux dans lesquels on vit, à même la manière de faire collectif. Je sais pas qui veut donner son avis sur ça, parce que tu as peut-être tu peux peut-être nous faire part d'expériences qui pourraient être menées de manière à ce que les acteurs de terrain puissent se saisir de la problématique de santé et trouver les moyens de se protéger de la maladie, mais à devenir acteurs et pas rester simplement des gens qui reçoivent des mesures dont ils ne comprennent pas le sens et qui sont obligés, comme tu le disais Frédéric, il y a une hypocrisie parce qu'on est obligé de mettre en œuvre des choses auxquelles on ne croit pas. Donc comment est-ce qu'on pourrait redevenir acteur concrètement de la lutte contre la maladie et qu'on serait capable de créer des choses qui permettraient de nous protéger, quoi, en fait. Tu parles de tout le monde ou juste... Chacun à son niveau, chacun a, dans sa situation. Bah, clairement, moi je pense que c'est pas que notre responsabilité déjà, donc ça il faut se le dire, c'est pas parce qu'on sort sans masque que c'est nous qui allons propager l'épidémie, mais clairement le gouvernement a un rôle à jouer. Financer les soins de santé, c'est clairement un truc qu'il faut revendiquer, parce qu'il faut se rappeler que toutes les mesures qui sont mises en place, c'est pour ne pas engorger les hôpitaux. Et ça, c'est à chaque fois qu'on le redit. Donc, c'est que clairement, il y a un manquement au niveau des hôpitaux. Après, tout un chacun, je pense qu'on peut... Il faut continuer à vivre, en fait. Il faut être inventif. Il faut essayer de faire des choses avec lesquelles on est en accord, dans le respect des autres. Il faut, faire de la désobéissance civile, comme on l'a dit juste avant. Quand il le faut, il le faut. Il faut inclure la culture. Il faut continuer à prendre plaisir, à se rencontrer. Alors, il faut, je pense, on a des avis divergents sur certains sujets. Il y a des sujets qui peuvent fâcher, des sujets sur lesquels avec lesquels on n'est pas d'accord. Mais moi, je pense qu'il faut ouvrir le dialogue entre nous aussi. S'écouter, voir, ok, tu n'es pas d'accord avec ça. Moi, j'ai ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut essayer de confronter, essayer de trouver un accord. Mais moi, je suis un peu à peiner quand je vois des patients qui viennent en consultation et qui sont en train de critiquer leurs voisins, critiquer la personne qu'ils ont croisée dans la rue, critiquer telle ou telle personne parce que... Mais en fait, on ne connaît pas la réalité des gens. En fait, on ne sait pas pourquoi ils font ça. On ne sait pas... Où ils vivent. En fait, les mesures, elles ont été faites pour des personnes qui, à mon avis, ont une maison quatre façades, un jardin, avec une famille où tout va bien. Ils sont en sécurité, ils ont à manger le soir, ils savent que demain, s'ils ne travaillent pas, ben, ils peuvent assurer leurs arrières, mais peut-être leurs voisins, pas, en fait. Et donc, j'ai pas de solution toute faite, mais je pense qu'il faut vraiment continuer à vivre. Faire ce genre de choses, comme ici, ce soir, pour moi, ça, c'est lutter, en fait. C'est faire entendre notre voix, c'est se réapproprier un peu de pouvoir. Enfin, on peut parler plein, enfin, on peut amener plein de choses, mais je pense que chacun en a à amener. Toi Youssouf, tu expliquais déjà comment tu arrives à récupérer un peu de pouvoir à ton niveau en jouant avec les règles, mais qu'est-ce que toi tu proposerais de mettre en œuvre maintenant pour qu'on puisse quelque part récupérer un peu de la capacité d'existence
avant que quelqu'un vienne nous dire que c'est fini, parce que visiblement c'est un peu comme ça que ça va se passer. À un moment donné, quelqu'un va nous dire c'est fini, vous pouvez ressortir. Donc comment est-ce qu'on pourrait Moi je préfère quand même toujours que, voilà, que la vie revienne comme avant. Donc, Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir revivre en dehors de cette logique qui fait qu'il y a des mesures qu'on doit suivre et qui n'ont pas dont on ne comprend pas toujours le sens? Dans ce cas-là, comme quand on a quand même des mesures qu'on doit les suivre, on n'a pas le choix de les suivre, mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer juste de faire des activités avec les jeunes, de ne pas rester quand même à la maison toujours avec ce virus-là qui nous bloque toujours à la maison. Donc moi j'ai dit que voilà, comme que par exemple si on va faire un truc comme sport et tout, on peut diviser les groupes en 3 ou en 4 groupes ou 5 groupes pour essayer de vraiment essayer de faire quelque chose, de faire du sport par exemple, ou de faire une balade ou un truc avec des jeunes qui sont vraiment toujours restés à la maison. Moi c'est pas très bon pour la santé non plus, ça reste toujours à la maison. Non, c'est pas bon pour la santé, parce que même quand je fais des activités avec les jeunes, par exemple quand je fais des boxes avec eux, tu vois que les jeunes ils se sentent pas bien en fait en restant à la maison. Donc ils se défoulent en fait quand on fait l'activité. Et tu vois qu'ils sont tellement contents et ils ont tellement d'énergie à dépenser dans cette activité là. Et même quand on termine et c'est fini, ils ont pas envie que ça soit fini maintenant. Ils disent non, tu viens demain, tu viens après demain, on fait ça demain, on fait ça. Donc il y a énormément de demandes pour les activités sportives avec les jeunes. Donc moi, comme éducateur et comme un animateur sportif, je pense que c'est mieux quand même que voilà. Donc 4 personnes, c'est peu quand même pour faire des activités. 10, 15, je pense que si on arrive à faire une activité à 20 personnes ou 15 ou 25 personnes, ce serait quand même déjà bien. Tu disais qu'il y avait énormément de demandes d'activités sportives au niveau des jeunes. Oui. De quoi justement est-ce que vous les coachs, les animateurs sportifs, vous auriez besoin pour répondre à cette demande? Il y a des choses précises dont vous manquez et dont vous auriez besoin? Ce qui nous manque vraiment, c'est de laisser les gens vivre comme avant. De laisser qu'on peut faire une activité comme par exemple les foot, on ne sait pas le faire. Et les jeunes, c'est un truc qui nous parle vraiment beaucoup. C'est le foot, c'est 11 joueurs, donc c'est 22 joueurs dans le terrain. Et là, on ne sait pas le faire, même dans un terrain de foot. À l'intérieur, on ne sait pas aussi le faire. Donc moi, je préfère que, je préfère que ça soit tout, il revient comme avant, et que les gens ils puissent quand même faire des activités, que les activités se reprennent comme avant, et tout le monde il peut faire des activités sportives, que ce soit foot, basket et boxe, et toutes les activités contact. T'as un espoir que ça puisse revenir comme avant quand? Ça, je pense pas que cette année ça revient. Ok, t'es pas. Donc je suis pas vraiment sûr. Ouais. Voilà. Moi, par rapport à cette question, je pense que ce qui est le plus important, une des choses les plus importantes aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est préserver nos espaces de commun, nos espaces de collectivité, les espaces qui font sens, ceux sur lesquels on a prise. Je pense notamment à la culture, aux hôpitaux, aux services des soins de santé. Tout ça, c'est du service public. C'est grâce à de l'argent public. Et c'est ce qu'on remarque, nous, dans notre travail modeste avec ce qu'on a pu observer sur les soins de santé. C'est que on a un basculement maintenant. On est déjà dans une santé à deux vitesses, mais soit on va vers une société plus privée, marchandisation. Vous avez tous déjà entendu parler de la marchandisation des hôpitaux, la tarification à l'acte, ce qui fait en fait qu'il y a des gens qui se font de l'argent avec la santé. Et c'est la même chose pour nos vieux, pour nos anciens. On fait de l'argent avec nos anciens. Et tout ce qui fait les maisons de retraite aujourd'hui, c'est du deux chiffres. C'est du deux chiffres en rentabilité. Et donc ça pose vraiment qu'est-ce qui fait société, qu'est-ce qui fait commun. Et je pense que tous nos lieux publics, nos espaces publics, nos soins de santé publics, le théâtre, la culture, les concerts, tout ça il faut préserver. C'est quelque chose qu'il faut se battre pour. Parce qu'évidemment, j'ai peut-être un discours bête, mais il y a des gens qui ont intérêt à casser ça pour faire du profit. Dans la culture, dans les soins de santé, partout, les petits restaurateurs qui vont fermer, c'est les grosses chaînes qui vont reprendre. C'est un système global où on attaque le commun, on attaque le petit parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et donc nous devons nous battre de toutes les manières, en faisant du sport avec les jeunes, pour leur dire c'est possible, on peut le faire, pour faire collectif, pour rassembler les gens ensemble, pour pas qu'on soit tout seul chez soi, pour faire un rapport de force.
qui nous permet de préserver nos communs et qui nous permet de préserver notre santé publique, qui nous permet de préserver nos retraites, nos pensions et tout ce qu'ils nous disent qu'ils veulent nous enlever. Parce que finalement, leur grand objectif, il est là. Et donc moi, je pense que tout ce qui peut faire du bien, se rassembler, aller au théâtre, voir des concerts, être ici, c'est génial. Je pense que ça fait un bien fou. Ça fait super longtemps que je n'ai pas vu sur une place autant de gens qui attendaient pendant 2h30 écouter parler des gens. Donc déjà, rien que ça, c'est super. Bravo à tous. Merci. Frédéric, en guise de conclusion alors. En guise de conclusion, voilà. Donc par rapport à cette question, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la crise par le haut? Donc en tout cas, plus jamais regarder la télévision, se réapproprier nos vies, parce qu'à la télé, ils nous font un petit peu comprendre comment on doit la vivre et ce qu'on doit penser, et il faut absolument qu'on se retrouve nous-mêmes, et l'autre, le voisin, celui qu'on croise dans la rue, pas celui qui est derrière l'écran, et vraiment retrouver de la confiance en nous, en l'avenir et dans les autres aussi, pour refaire société ensemble. Moi, je pense que c'est la solution, et ça rejoint complètement Charles et Pascal et Youssouf et vous tous. Youhou ! Oui, voilà. Alors, avant que Catherine ne vienne nous faire... Elle est OK, elle est prête pour nous faire une synthèse très subjective des échanges qui ont eu lieu, puisque en fait l'objectif est d'enclencher maintenant un processus et donc il y a une volonté d'efficacité quelque part. Mais juste avant qu'elle ne commence cette synthèse subjective qui ouvrira au prochain débat, Julien va dire quelques mots. Voilà, je te passe le micro. Merci. Simplement pour rappeler que l'objectif est bel et bien d'avoir une discussion possible ici, et que donc à ce niveau, on compte sur le fait de pouvoir avoir des citoyens tirés au sort. Pour ce faire, simplement, vous pouvez, soit via la page Facebook du Solidarité Culture Liège, soit via notre adresse mail, nous envoyer simplement un mail pour dire « j'aimerais participer au débat ». C'est très simple. L'adresse mail, c'est solidariteculture@gmail.com. C'est bien ça ? solidariteculture@gmail.com. Donc, soit via la page Facebook, soit via solidariteculture@gmail.com. Et donc, vous pourrez ainsi être peut-être tiré au sort pour participer au prochain débat. Voilà. Bonne soirée à tous. Donc maintenant, on va passer la parole à Catherine qui a donc accepté cette mission périlleuse de synthétiser les échanges qui ont eu lieu jusqu'à présent. Voilà. Bonsoir à tous, merci à toutes et tous d'être là, merci à tous les intervenants, toutes les personnes qui sont venues témoigner de leur vécu, de leur expérience. Nous avons commencé avec Ilia, nous avons commencé en étant ces gouttes à déborder peut-être de l'eau en prison, nous disait-elle. Nous avons quitté la route qu'on nous avait creusée parce que nous avions envie de débattre, de parler, d'être écoutés. Place au débat est organisée par Solidarité Culture Liège, qui revendique plus de considération pour le secteur associatif et culturel liégeois et qui était là aussi pour décloisonner et nous réunir autour de questions qui nous touchent tous et toutes. La première question était celle au-delà des âges. Elle était celle-là. Comme vous l'avez sans aucun doute remarqué, les jeunes ont pris la parole pour les vieux et les aînés ont pris la parole pour leurs cadets. Donc il y a eu cet échange où finalement personne n'était prêt à sacrifier sa place ou la place de l'autre. C'est l'idée qu'il n'y a pas de sacrifice à faire. Autour des témoignages, on a aussi perçu de manière très importante la détresse dans laquelle de nombreuses personnes sont plongées.
avec chez les plus âgés le fait d'être isolé, d'être derrière une chambre, d'être résumé à un corps qui doit être nourri, d'être en perte de contacts sociaux. Et chez les plus jeunes, l'isolement est également présent, un manque de contact est ressenti et qui va se révéler au travers de difficultés affectives, de difficultés cognitives, comme l'enseignante qui était présente pouvait en témoigner. Il en résulte que nous avons besoin de restaurer une confiance avec les plus jeunes, une confiance avec les plus âgés. Et les différents secteurs souhaitent s'unir, je pense en tout cas les représentants qui étaient présents ici ont montré ça, et mieux communiquer ensemble, nourrir un débat, parce que nous disait-il, il n'y a pas de débat. À la plupart des niveaux. Les mesures, si elles sont disproportionnées, elles viennent aussi d'un manque de nuances, d'un manque de paroles. Et l'idée qui était amorcée là, c'était l'idée de pouvoir réparer, trouver des moyens de protection, questionner la mise en danger, la protection, les risques de l'un, les risques de l'autre. Et donc il y a une nécessité de pouvoir enrichir la réflexion au niveau de qu'est-ce que la santé. Sommes-nous résumables à des corps, des êtres qui doivent assurer une certaine efficacité, ou sommes-nous bien davantage que cela? Et donc c'était ça qui était vraiment aussi en enjeu, peu importe au travers des âges, la fonction plus générale de l'être humain n'est probablement pas résumée dans le corps uniquement. Et donc arrive cette idée de faire corps, de ne pas être uniquement un corps nourri. Comment la culture peut-elle aider à faire corps? Deux manières globales qui ont été révélées ici au travers des débats. Pardon. D'une part, par le fond, simplement pouvoir enrichir le questionnement, pouvoir susciter des interrogations. Donc il y a à la fois ce que la culture peut convoquer comme thème, qu'elle peut interroger, qui est intéressant, mais également le cadre que la culture peut offrir en tant que lieu de réflexion, d'échange, d'émancipation, d'émulation, lieu où les échanges entre les plus âgés et les plus jeunes peuvent se faire. Donc voilà du point de vue de la culture, comment on peut probablement relier les choses par rapport à cette question au-delà des âges et cette réparation du lien social pour pouvoir évincer la peur et l'agressivité qui en résulte. Le deuxième thème que nous avons abordé ensemble ce soir était celui de l'état de droit et de démocratie, avec tout d'abord un tableau qui nous a été dressé par Nicolas Thérion, qui nous rappelle donc que nous sommes aujourd'hui dans une situation d'exception qui s'est pérennisée avec des formes d'échecs à différents niveaux de pouvoir. Donc ça, c'est quand même assez... Voilà, ça, moi, ça m'a quand même assez touchée, je pense, de pouvoir dire qu'ici, on est dans une situation qui n'est probablement pas du tout normale et nous vivons dedans de manière pratiquement inconsciente. Donc probablement un premier point, c'est de pouvoir mieux s'informer au sujet de cette situation globale, mieux la comprendre, comprendre comment cette situation d'exception s'est créée et comment elle se pérennise. Cette situation aboutit à une justice des classes, et comme on a pu le voir au travers des actions de sortir du bois, nous avons tous un rôle potentiel de citoyens solidaires à jouer pour pouvoir ne pas entrer dans une plus grande, un plus grand ravin entre les classes, pouvoir les uns les autres s'entraider et lutter contre l'inégalité de la manière dont les lois vont toucher les différents pans de la population. À ce sujet-là, on évoquait les doutes par rapport de nouveau à la proportion des mesures, la question aussi de la docilité importante par rapport à ces mesures et la question de savoir dans quel degré on pouvait dès lors imaginer probablement peut-être y désobéir et dans quelle mesure eh bien, la désobéissance pouvait être un acte politique tel que le fait de se réunir ce soir simplement dans le cadre d'une manifestation organisée est aussi un acte politique qui vise à renouer avec plus de réflexion, plus de pensée, un échange. On a terminé par l'évocation du passeport sanitaire. Et donc ça, je ne vais pas reprendre plus longuement là-dessus.
comment la culture peut-elle s'articuler par rapport à ces questions d'état de droit et de démocratie? Eh bien, tout simplement, en fait, la culture, eh bien, c'est les citoyens que nous sommes tous, en fait, nous sommes tous concernés par cela, et la culture est évidemment impactée avec un lien direct et évident vers l'ORECA. Les lieux qui abritent la culture sont touchés par les mesures, dès lors, les mesures culture également, dès lors, ces mesures nous touchent tous à titre de citoyens. Donc, l'accès à l'information a été vraiment mis en évidence en fin de ce débat pour pouvoir se positionner, être maître de ses actions. Donc, il y a vraiment la question de se sentir en illégalité pour des actes qui nous semblent tout à fait nécessaires. Et ce qui révélait aussi par cette présentation, c'était un État qui ne va pas bien et la culture comme lieu de fraternité et de solidarité pour lutter contre cette situation. Enfin, le dernier débat qui lui portait sur le thème de la santé rejoint évidemment par bien des parts les deux premiers. On a vu dans ce débat plus un accent qui a été mis sur la santé mentale, donc on est de nouveau en train de s'éloigner de la santé et de l'individu en tant que corps, en tant qu'amas de cellules, en tant que structure organique purement biologique. Évidemment, la culture a un lieu à jouer là-bas. Alors de deux manières, qui ont vraiment déjà été très bien résumées à la fin de ce débat, c'est vraiment l'idée de sortir de la surculpabilisation individuelle, de sortir de la cellule organique, de la cellule de la maison, de la cellule familiale, de la cellule qu'on peut interroger, cette notion de cellule dans laquelle nous sommes enfermés maintenant depuis un an, et de renouer avec le collectif. Donc sortir de cette surresponsabilité, réouvrir le dialogue, se réapproprier les lieux communs. Et donc, deuxième point ici, préserver ces espaces communs, les lieux de culture, de concert, résister à la marchandisation, réfléchir aux dangers de la privatisation, et retrouver ensemble une manière de trouver du sens, de se projeter dans l'avenir et de faire corps, de faire société, de retrouver confiance en soi, en l'avenir et en les autres. Et donc je pense terminer par l'alexandrin de Amitérien François Laurent. C'est vraiment l'idée de sortir, nous sortons ensemble des torpeurs abreuvées de lumière. Voilà, je pense avoir terminé la synthèse. Je vous remercie beaucoup pour votre attention soutenue et à tous les intervenants. Voilà. Merci beaucoup Catherine pour ce travail et merci à tout le monde d'avoir su tenir l'attention. On a plus l'habitude d'avoir des débats comme ça et c'est vrai que pour une rentrée ou une reprise de contact, c'était particulièrement copieux puisqu'on vous a proposé 2 heures de débat. Voilà, et on va quand même, on n'a plus l'habitude non plus d'avoir des propositions culturelles qui se font en public. On va terminer avec Ilia et l'Amitérien. Voilà, je vais vous demander de leur réserver toute l'attention qu'ils méritent, en sachant que effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on n'a plus parfois eu accès à des prestations culturelles. Donc profitons bien. Voilà. Merci et à une prochaine fois. Voilà. Il est sacrément bon de voir du monde, en tout cas, de sentir votre belle énergie. Vous êtes toujours éveillé. Et justement, la petite chanson que je voulais vous proposer pour se quitter en douceur, c'est une espèce de berceuse. C'est une espèce de berceuse qui s'appelle Sémaphore. Sémaphore, cette espèce de signal qu'on essaye de garder vivant. Cette espèce de signal qui parfois s'endort. Donc voilà. Dans la chanson, je dis que je reste debout. Je crois que c'est un peu ma façon à moi de vous dire que nous, les artistes, tentons tant bien que mal de rester debout. C'est parti. Dis, tu dors dedans ou dehors? Tu dors, moi je suis au port de nous. Dis, tu dors ou tu t'évapores? Au port, la mer se languit. Danser au niveau de la table.
Au niveau des enceintes, c'est depuis... Vous avez l'autorisation plus de 20 ans, et puis c'est tout, quoi. Parce que sinon, ce ne serait pas les deux en même temps, et ce ne serait pas tout le monde. Ça pourrait être pas calmement, ça. Si elles sont branchées sur le même truc, quoi. Mais alors, du coup, ça serait... Du coup, c'est au niveau des... Voilà, on dirait que je reviens. Ça va, vous êtes toujours là, j'y vais ? Oh, c'est cool. Bon, je vais reprendre histoire qu'on ait le fil du bazar. C'est reparti, donc on parlait du fait de dormir. Alors attention. Dis, tu dors dedans ou dehors ? Tu dors, moi je suis au port de nous. Où tu t'évapores, au port la mer se languit de nous. Pâle les heures en apesanteur, passent les couleurs, délavent les ardeurs. Dis, tu dors. Où tu fais le mort, Pandore serait ta figure de proue. Dis, tu dors, plus de sémaphores, le sort est jeté, je reste debout. Passe les couleurs, délave les ardeurs. Dis, tu dors dedans ou dehors, tu dors, moi je suis au port. Ensemble avant de se quitter. Il y a une espèce de chanson qui tourne un peu partout en Belgique, en France, pour danser encore. Vous voyez de quoi je parle? Oui? Moi je connais le refrain, je le fais une fois et puis ensemble on peut chanter, danser librement, histoire de se quitter agréablement. Encore merci à tout le monde, à tous les intervenants. Et nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord, j'entends rien. Oh, 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 nous, on veut continuer à danser encore, passer nos vies sur une grille, d'accord, j'inverse. Enlacer nos pensées dans nos corps. Attention avec moi. Oh, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Enlacer nos corps. Passer ma vie sur une vie. D'accord. Oh.
qu'on dit à danser encore. Ils sont en moitié chaud, mais ah. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto-métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire va s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Allez ensemble, nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Allez, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Allez encore, nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh, nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Allez encore. Nous on peut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous on peut continuer, nous on veut continuer à danser, nous on veut continuer à danser encore. Danser encore, nous on veut
veut continuer. Continuer à danser. On veut continuer. Par nos pensées enlacées. Enlacer nos corps. C'est nos vies sur une grille. Sur une grille, d'accord. D'accord. Nous, on veut continuer à danser encore. Par nos pensées enlacées, nos corps. Passer nos vies sur une grille, puisque la question là.